Gauge autoloader. Gauge autoloader. The 45 long slide with laser sighting. Phased plasma rifle in the 40 watt range. The Uzi 9mm. Know your weapons, buddy. Which will be? All. Now I'm here, so shut your motherfucking mouth. Fucking. Now I'm here, bitch. Fucking. Belle, belle. Bon, un petit peu. Je prends le micro pour commencer comme d'hab. Pour vous répondre, alors, où est-ce qu'on m'entendait déjà? Alors moi, il n'y a pas de raison, mais bon, quand ça fait 3 mois que j'ai pas lancé le truc. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu Twitch? Qui savent pourquoi ce truc merdique est encore plus merdique que la dernière fois que je m'en suis servi. Alors, on va commencer par ça, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de... En fait, je sais pas si... Je peux même plus voir les gens qui sont connectés, quoi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de la merde, ce truc. Avant, là, en bas, ceux qui connaissent... Oh putain, Oh putain, Philippe à Arthur. Ouais, du coup, juste en bas là, avant, j'avais le, je sais pas, le nombre de gens qui étaient en live, quoi. Là, c'est carrément disparu, quoi. C'est...
Non, ou j'ai raté un truc, je sais pas. Enfin, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de... ça fait 3 mois que j'ai pas fait de live, ou même plus. 3 mois que je peux vers Maya. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que c'est bon pour vous? Et est-ce que vous avez une petite solution que je sache un petit peu qui est là, quoi? Parce que c'est... ça m'énerve quand les mecs ils réfléchissent pas, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du total de vues depuis que j'ai fait Twitch? Pas possible, ça. Attends, putain, j'ai un micro qui m'en mis... Ah. Belle. Ouais, donc y'en a qui connaissent, non? Bon, tant pis, sinon je crois que je peux le voir. Tu vas dans la liste. C'est quoi la liste? Bon, attends, je crois que je peux le voir ici. Ouais, 17, ça, je le vois avec le truc. Bon, allez, bref, je verrai ça plus tard. On t'entend. Tu as 26 personnes et au pire, ou juste. Mais c'est la fenêtre de Twitch normale, ça? Comment tu... C'est quoi la liste? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah ouais, d'accord. Ok, c'est bon, c'est revenu. Ok, fallait faire un petit rafraîchissement. Et apparemment, on y... D'accord, ok. Ok, belle. Putain, bon, le dimanche, il y a du monde, quoi. Bon, là, c'est vraiment un truc... C'est vraiment un live pour, parce que ouais, ça fait un petit moment, c'était juste histoire de discuter ou quoi, parce que je suis rien de fou, hein, je vais pas faire du MM44 ou quoi. Je savais pas quoi faire, du coup je me suis lancé dans un petit peu de RMD pour faire des trucs un peu nouveaux de mon côté, quoi. Parce que bon, l'interface, j'en ai un peu marre. Enfin, j'ai pas un peu marre, mais bon. Je commence à connaître le truc, quoi. Du coup, ouais, pour vous expliquer un petit peu, en fait, ça fait longtemps que je voulais le faire. Quand je regarde des concepts, genre dans mon petit dossier là, comme tout le monde, avec les concepts qui me plaisent. Je vous explique ma vie. Hein. Attendant, écrivez comme ça, je vous réponds après. Je vous explique juste un petit peu le truc tant qu'il y a du monde et qu'on est au début là. Voilà, donc ça c'est mon dossier avec les concepts qui me plaisent, des trucs que j'aimerais faire, voilà, pour des potentiels projets. Et souvent, à chaque fois, voilà, il y a ben, des trucs avec des personnages, donc que ce soit des nanas ou des mecs. Et à chaque fois, ben, c'est un problème parce qu'on se dit, ouais, c'est cool de faire, je sais pas, un super héros ou une nana avec un gun. Sauf que le problème, le gun, c'est pas un souci, rien n'est un souci. Le problème, c'est qu'il faut, voilà, un minimum un personnage qui tient la route, quoi. Et du coup, ça fait longtemps que je me suis dit, ça serait bien de me faire un rig, comment dire, standard, d'un mec et d'une nana à walpé, voilà, propre, bien, machin, tout ça. Et pour pouvoir commencer, après, quand j'ai envie de faire un concept, bam, je le récupère, j'ai juste à faire la modification, on peut directement attaquer et sortir une image, et pas y passer 2 ans à chaque fois. Et l'idée, c'est surtout pas de faire ce que font tous avec tout ce qui est organique, vraiment poussé, c'est-à-dire faire une tête de face en mode 4K, ultra HD, en mode hyper photoréaliste, avec le pire œil, le SSS, je sais pas quoi, de fou. Non, non, moi, c'est vraiment pour du middle distance. Et ça, c'est vraiment super important quand on commence un truc, c'est de savoir où on va voir. Ce que tout le monde fait en général, quand c'est vraiment focus sur la tête, c'est voilà, focus comme ça sur la tête, de face, bien dégueulasse en mode photo, sans expression, sans rien, mais il faut que ce soit ultra, ultra photoréaliste. Et ça m'intéresse pas du tout, parce qu'il y en a déjà plein qui le font très bien, et en général, il faut y passer 1 ou 2 années pour arriver à un truc cool. Donc ouais, ça me fait chier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste un petit rig, voilà, d'un personnage que je peux avoir de plein pied comme ça. Et un truc... Que je me dis à chaque fois, c'est que le problème, c'est pour avoir un truc réaliste, c'est bien quand même de faire avec des références ou même des études. En fait, j'ai vu un mec qui avait, enfin, vous l'avez sûrement vu sur Station. Ça, c'est une photo donc, un petit peu retouchée d'un cosplay, voilà, d'une nana, d'un jeu vidéo que je connais même pas. Bref, il y a un mec, enfin, les mecs qui font du concept art ou de la peinture, du dessin, en fait, ils reproduisent vachement. Il y a un mec du coup qui a pris ça et qui a fait une peinture de ça. Juste pour s'entraîner, je me suis dit en fait c'est ça qu'il faut faire, quoi. En 3D aussi, c'est essayer de pas y passer d'années, essayer d'y passer voilà, une semaine, là j'ai quelques jours, et de faire une sorte d'étude du truc, de prendre une photo et de la reproduire en 3D, voilà, quoi, sans trop y passer la vie, quoi. Une sorte de nature morte un peu. Et en fait l'idée c'est pas c'est débile de reproduire ça parce que la photo existe, elle est très bien, je vais rien apporter plus, c'est juste pour apprendre du coup de travailler l'œil, etc. Et après quand j'aurai besoin de le faire, je le saurai. Voilà. Putain, pour une fois, il y a du monde. En fait, c'est bien. Je pense que je vais faire ça. Moi, je fais le truc et comme ça, quand je sors quelque chose, vous êtes présents. Vous êtes... Oh putain, Wizix, il est pas mort. Quoi. Alors, qu'est-ce que. Putain, FIFA. Même les Espagnols, ils sont là. Quoi. Arthur.
Alors, tout d'un, t'avais la liste, ok. J'utilise un perso, ok. Belgique, putain, les Anglais, les Espagnols. Des petits culs. Voilà, j'ai mis des caches devant parce que je vais me faire engueuler. Ah, j'ai pas mis Kevin Unity, mais dans le titre, mais bon, c'est bon. Ça pisse du bois, c'est clair. Ouais, non, voilà, je vais pas faire ce qu'il fait très bien. Puis là, c'est ce que c'est. Il y a Clément qui est dessus, je crois. Monsieur Fipapoup, là, t'as avancé ta tête d'ailleurs, mec? Mais toi, tu montres rien. Putain, vous êtes tous en mode crevard, vous montrez pas vos Wii, vous faites pas des lives. What's the matter? Bon, ça, c'est une blague. Ouais, putain, toujours la même question. Bon, moi, j'y réponds plus. Bon, ça, je vais y répondre parce que c'est pas mal. Quel genre de projet? Ben ça fait 2 mois que j'étais sous 3ds Max en fait, donc c'est pour ça que je fais même plus de 2 mois, 3 mois, 4 mois je crois. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Maya quoi. Donc là je redécouvre Maya aussi. It's just a dark Windows 10 guys. You go to custom, you switch to dark and it's okay. Ouais, depuis 2 mois en fait j'avais bah, juste pour montrer un peu. Attends, c'est où ce truc? Je vais vous montrer ce que je faisais depuis 2 mois. Et en fait, j'avais un projet du coup free qui était assez colossal où je devais sortir genre, je sais plus, 2-3 000 rendus, plus des vidéos, plus 200 vidéos tout seul. Donc c'était un peu lourd. Du coup, je me suis mis à fond 2 mois dessus. Et plus d'autres trucs à côté. On va essayer de trouver quelque chose de sexy. Et en gros, c'est pour une galerie d'art qui va s'ouvrir. Il fallait faire des présentations de visuels. Et du coup, comme c'était de l'architecture, de la mise en situation dans des salles, évidemment, 3ds Max est plus adapté comme Maya pour ça. Clairement. Ah. Oh putain, évidemment, je prends la seule qui est foirée. Merde. Bon, petit souci. Voilà, du coup c'était du rendu intérieur comme ça, où à chaque fois il fallait refaire le rendu en changeant le tableau, donc c'était rien de fou. Une fois que c'est fait, c'est juste et avec l'anime à chaque fois, et ça il faut le faire 200 fois sur plein de dérivés. Voilà, donc j'ai fait ça, et comme ça, après sur le site ça fait une mise en situ de ce tableau là. Il y a même une autre pièce, parce qu'il n'y en avait pas assez avec une. Donc j'ai aussi dû me taper tout ça. Voilà, sur une autre pièce. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pendant 2-3 mois. Bon, c'était pas ouf au niveau créatif, mais voilà, c'était plutôt de la masse et gérer ça fois, comme je le dis, voilà, plein, plein de fois quand même. Faire les rendus, le compo, à chaque fois créer le tableau, le mettre en place. Voilà, mais ça c'est mon travail après que je fais ici en local, hein, vu que je suis pas parti au bout du monde, que je suis pas dans un studio VFX. Des fois vous vous demandez ce que je fais en freelance, mais je fais des trucs comme ça. Voilà, ça c'est pour le sud de la France, pour une galerie d'art. Mais bon, ça va bien. Ça n'empêche pas après de faire du hard surface et des robots. Pour le plaisir, à ma façon. Alors. Wizix, tu as fait quel genre de dernier projet? Donc là, je te réponds des mecs. Putain, en fait, j'attends de répondre à quelqu'un. minute, yes. Oui, je montre pas, j'ai honte, c'est fait à la chague. Ah, mec, moi, tu vois ce que je suis en train de faire. C'est pire que toi, quoi. Ben oui, 3ds Max. Alors d'ailleurs, 3ds Max, je vous l'avais dit, je l'ai appris. Maintenant, je suis à l'aise sur 3ds Max. J'avais appris la modélisation, les UV, je sais faire. Alors je l'avais pris à l'époque, c'était il y a 3 ans. Depuis 3 ans, je l'utilise assez régulièrement. J'ai fait du baking avec, j'ai appris des 2-3 moteurs de rendu à l'intérieur. Donc là, j'ai encore fait du rendu, des trucs et tout. Donc maintenant, je connais bien 3ds Max. Mieux que CKD ou quoi, je connais bien. Et je peux confirmer que c'est de la grosse merde. Voilà, après avoir travaillé dessus vraiment longtemps, que ça, sans venir juste une journée ou quelques heures, c'est une merde monumentale. Si c'était pas parce qu'il y a F-Storm et Corona dessus... Et quelques outils pour large vise, c'est vraiment une catastrophe, une merde mondiale. Donc
vais toujours faire ma petite vidéo comparative, mais j'attends de. J'ai pris plein de notes pendant 3 mois sur toutes les catastrophes de ce putain de soft. Rien que là, je devais faire des batch renders en rendu sélection. Enfin, en gros, pour vous dire, la prod là, elle m'a pris 2 mois. J'aurais pu la faire, je pense, sur Maya avec 2-3 outils de base qu'il n'y a pas sur 3ds Max. J'aurais pu la faire en moitié de temps, quoi. Et encore heureusement, j'ai trouvé un script d'un gars qui m'a sauvé la vie, sinon j'y serais encore et j'aurais quasiment planté le projet, quoi. Pour vous dire le truc. Tout ça parce qu'il n'y a pas un foutu de batch render et qu'on peut pas faire un rendu région dans 3ds Max, par exemple. Bref, voilà, bon, je vais pas commencer. Je commence bien, je commence sur que du troll, là. Ça fait longtemps que j'ai pas... Donc je vous débite toutes les conneries. Bon, les gars, par contre, c'est cool. Mais vous êtes trop nombreux, presque, là. Tu as fait quoi sur les smacks? Je viens de te le montrer. C'était du Corona. Bam, bam, bam. C'est pour ce genre de projet intérieur que t'apprends Unreal. Ouais, entre autres, ouais, c'est pour des projets de clients que l'Unreal, ça peut être sympa. Bah, du coup, faire, par exemple, la pièce que t'as vue, là, la faire en... L'idée, c'est de la faire en sous Unreal, en temps réel. Et du coup, les tableaux pourraient être switchés via un casque VR par les clients ou des trucs comme ça. Voilà. Can you check my work? Plus tard, parce que peut-être que je commence à bosser. Et je vais pas expliquer, mais je vais le commencer là. Les trucs carrés. Je vais partir. Non, mais c'est vrai, il sait que j'ai raison, de toute façon. Ouais, mais Blur, c'est. Voilà. Oui, c'est facile. C'est vrai. Ah mais eux c'est parce qu'ils ont du talent, tu vois. Ils sont bons, ils auraient les bases sur Maya, ils feraient la même chose ou ils feraient encore mieux. Après quand t'es seul, c'est pas là, moi je parle, mec, je suis tout seul, j'ai pas un studio derrière pour m'aider. Ah non, il n'y a pas Corona sur Maya. Ils avaient commencé à le développer il y a 3 ans. Mais je sais pas, ça les a saoulés. Du coup j'étais sur la bêta mais ils ont arrêté, c'est mort. Et c'est toujours pas l'actualité. On peut pas faire un rendu région en 3ds Max. Non mais si, on peut faire un rendu région, mais pas faire 10 images avec un rendu région qui à chaque fois s'adapte sur un truc comme tu peux faire avec, avec ce truc magnifique ou avec le nouveau truc là de Maya, le render séquence. Quoi. Bref, allez, on va pas partir en débat là-dessus. C'était juste histoire de causer un peu. Je pense que vous êtes arrivé maintenant. Ah ouais, juste dernier truc, tant que vous m'écoutez et que j'ai un peu votre attention. Ça fait un petit moment, ça fait un mois là, du coup, comme je faisais rien, pas de live ou quoi, j'ai fait un salon Discord. Et c'est cool parce que vous êtes assez nombreux, je pense qu'on est 100, plus de 100, et où tout le monde peut poster un petit peu ses projets. C'est mieux que sur la page Facebook, parce que moi, la page Facebook, faire un post à chaque fois, c'est pas évident, plus personne ne le voit. Et là, du coup, tout le monde communique et partage. Donc, ceux qui font Fuse, tous les niveaux, du coup, vous pouvez vous répondre entre vous, parce que moi, je suis pas toujours disponible pour répondre aux questions de base. Il y en a plein qui connaissent les réponses et du coup, qui répondent à ma place, donc ça, c'est cool déjà. Et puis par exemple, juste pour vous montrer vite fait pour terminer là-dessus, donc le lien il est sûrement Facebook, 2-3 posts vous remontez, vous l'avez, c'est un lien permanent. Bon, alors je vais quand même vous le filer parce que ça vous évitera. Alors, je sais même plus comment on fait, je crois que si je fais ça, je pense que celui-là n'expire jamais, bien sûr je veux pas qu'il expire. Cacher, qu'est-ce que c'est ce bordel? Copier, coller, bam, voilà, inscrivez-vous. Comment je sors de là? Bam. Ouais, par exemple, pour vous montrer, c'est quoi? C'est. Merde, comment il s'appelle? Je me souviens, Cyril. Il y a Cyril. Putain, c'est un peu le bordel. Bon, du coup, on partage des trucs, voilà, qui fait Fuse, mais qui le fait. Enfin, qui est vraiment à fond dedans. Alors, ça, c'est le casque qu'il a fait, il a bien adapté. Donc, c'est vraiment cool. Et là, il a mis un truc il n'y a pas longtemps. Qui était vraiment, vraiment, vraiment très propre. Putain, armature est étudiée. La mec, tu l'as enlevé ou quoi? Putain. Ben voilà, on partage des trucs. Et des fois, il y a des trucs qui tombent qui sont cool. Voilà, bam. Ben, c'était vraiment sympa. Du coup, grâce à Fuse, quoi. Et il interprète le truc, il l'a mis sur ses projets perso. Et c'est vraiment cool. Donc voilà, inscrivez-vous, c'est assez vivant. Donc moi, j'essaie d'être présent. Et réactif. Bam. Bon, on va partir sur cette petite là qui nous attend. Si mon micro va bien, ne pas se casser la gueule. Donc ouais, alors c'est ça, vous l'avez sûrement vu, c'est un jeu vidéo, je sais pas ce que c'est un truc Steam là pour les gens qui ont le temps.
Mais en tout cas, c'est super stylé. Et du coup, je vais essayer de le refaire. Et du coup, c'est une photo. Et l'idée, c'est de le reproduire. Donc, c'est vraiment à la base. Là, j'ai juste quelques textures, quelques trucs. Mais pour l'instant, voilà, un truc de base, un petit rig de base. Et je vais tester. Du coup, là, j'ai vite fait. Enfin, j'ai fait juste le blocking, on va dire, du perso. Un très très rapide look dev qui n'est même pas un look dev. Si je dois voir à peu près si le shader fonctionne. Et là, je vais utiliser en fait cette situation-là, cette image. Essayer de la reproduire, de retrouver les lights, etc. Au maximum à identique, faire la coupe de cheveux. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les yeux par exemple, parce que les yeux c'est vraiment chiant, le regard ou quoi. Je le verrai plus tard. Déjà, si j'arrive à faire un lighting propre et que ça semble un petit peu réel à mi-distance, comme je le disais, et que ça corresponde, qu'on retrouve le feeling, bah, ça peut être sympa. Parce qu'en fait, quand on travaille sans vraiment sans référence ou avec plusieurs références, on se trompe. Et je trouve que sur les comment sur les trucs organiques, même quand c'est réaliste, il y a trop d'informations. Là, si on voit la nana, bon, après, ça dépend des personnes. Mais elle a une peau qui est vachement lisse, il y a pas de, y a, on voit pas le bump, on voit rien, à peine un petit peu ici sur sa joue, mais c'est assez lisse et c'est assez intéressant, je pense. Enfin, c'est subtil quoi, c'est pas trop d'effet. C'est comme quand on fait du hard surface, on met trop d'éraflures, trop de dirt, trop de trucs, toujours trop quoi. Et on oublie un petit peu des fois que en fait, faut rester un peu plus subtil. Du coup, ça m'intéresse d'essayer de garder, d'avoir cette référence pour garder cette subtilité là. Ben, je vais essayer, s'il faut, je vais me planter, ça va me saouler. Ce soir, j'arrête. Et bon. Faudrait bien que je fasse un truc. Faut bien que je m'occupe. Du coup, là, j'en étais. Ce qui va être simple. Oui, donc je disais, je le répète, du coup, j'explique au début, mais c'est d'avoir un rig. En fait, je m'en fous de faire cette image, c'est d'avoir un rig, après, il sera mon. Ce sera mon. Je vais le faire évoluer en faisant des R&D comme ça, différentes. Et à chaque fois, je vais l'améliorer pour qu'il soit standard et que je puisse après m'en servir pour le récupérer. Par exemple, faire, je sais pas, un concept avec un personnage et lui créer une armure autour, bref. Mais j'aurais juste à prendre le personnage femme ou homme. Et après c'est parti, je peux faire mon concept. Parce qu'à chaque fois c'est pénible, comme je le disais. Il y a des concepts qui sont cool, mais il y a un personnage dedans, ce qui est normal. Et il faut se dire, ouais, il faut que je récupère un personnage et tout. Alors avant de commencer l'armure, il faut déjà passer un mois à faire un perso. Donc voilà. Voilà. Alors, là j'avais commencé le posing. Légèrement, j'ai passé 2 minutes dessus, donc on va commencer par ça. On va commencer par ça. Après, on fera un peu de lighting. Après aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite banque de morphs. Bon, pour l'instant, il y en a un seul à la con. C'était pour tester. Voilà, moi, c'est une expression un peu dégueulasse. Mais du coup, voilà, des morphs d'expression et des morphs de visage. Avec ce truc qui est propre, là, ces textures, on peut faire un visage asiatique, un visage différent. Voilà, juste avec un morph target comme ça. Après, ça suffit le rig. Enfin, rien de compliqué, juste un truc basique, mais ça prend du temps. Et comme ça, petit à petit, je vais me le faire, je vais me le développer. Ça fait 2-3 ans que je voulais faire ça. Et là, comme je sais pas quoi faire et que j'ai un petit peu de temps, je me dis pourquoi pas. Si Arthur, je viens. On peut s'inscrire même si on fait pas de 3D. Ouais, tu peux t'inscrire. Tu peux t'inscrire, regardez ce qui se fait. C'est ouvert à tous. Par contre, à l'organique, tu sais bien utiliser une brush. Compliqué, mais il y a un truc puissant quand on s'y habitue. Non, je sais pas trop utiliser cette broche. Enfin, je sais pas les trucs fous avec. Alors, bam, on va se mettre dans la caméra. On va pas se laisser distraire par ça. Ouais. Alors, les petits cubes là, c'est juste pour cacher, pour pas que je me fasse emmerder. Parce qu'il y a toujours un relou qui fait ah, mais j'avais pas vu. En fait, c'est une meuf à poil. Et j'ai mon patron qui passe derrière parce que je regardais Twitch au boulot. Je sais pas quoi. Casse les couilles. J'ai mis des barres au cas où il y a qu'aura d'un live au travail. Et leur problème, c'est qu'il y a une meuf à poil en 3D plutôt que de regarder un live au boulot. Mais bon. Bon, alors là. Bon, par contre, c'est pas du tout prévu, hein, c'est juste pour partager avec vous. Donc vous êtes nombreux, bah, tant pis. Mais je vais rien faire de fou. Hein. Encore une fois, ça va juste être histoire de partager. Je parle un petit peu. Bon, je pense qu'il n'y aura clairement pas d'autres live de toute façon avant l'an prochain. Alors là, ce que je vais faire, parce que je sens que ça va commencer à me gonfler. Le problème, c'est que si je fais ça. Ouais, je vois plus grand-chose. Putain, c'est chiant ça. Et si je fais ça. Ouais, ça m'aide pas non plus. Donc je vais plutôt regarder avec la référence à côté plutôt qu'essayer de matcher. Alors j'ai rien qui est calé, ni la caméra, ni rien. En plus j'ai pas de référence, hein. Je sais même pas la focale, j'ai aucune information. Mais c'est juste. L'idée c'est pas de reproduire non plus le pixel près. Alors est-ce que je voulais dire, c'est que je vais faire un truc là.
faire un tir off. Putain de merde, à chaque fois je me fais avoir. Merde. Fuck. Bon, c'est pas grave. Lui, je voulais le garder en accroché. On va mettre ça là. On va passer ici en perspective. Voilà. Du coup, pourquoi j'ai pas le... Alors ici, je peux faire ça du coup. Et là, si j'ai bien compris, je peux faire... Ouais, ça sert à rien. Ok. Alors, pam pam pam. Donc, je vais essayer de bloquer la pause. Bon, je vais vite fait bloquer la pause, hein, je vais pas faire les doigts, tout ça. Et après, je bloquerai le lighting, je vais comment, bloquer un petit peu tout. Et puis, j'affinerai au final. Alors, je pense. Bon, après, donc là, c'est vraiment le début. Hein, je vous dis, j'ai passé 2 minutes avant de partir en live. Donc, si vous avez des suggestions ou quoi. Je suis preneur. Mais du coup, de faire ça, ouais, du coup, de faire du. Enfin, de l'étude de trucs, machin. Là, bah, c'est cool parce que ça permet un petit peu bah, de sortir déjà de ses habitudes, puis tester des trucs. Et voyez, là par exemple, j'apprends à voir comment c'est, parce que moi je sais pas du tout d'animation ni de posing, bah, comment mettre un bon posing, de bonne forme par rapport à la caméra, de bien tout tourner, de bien avoir des bonnes dynamiques un peu partout et pas avoir un truc bancal. Voilà, rien que ces petits trucs comme ça, c'est pas mal quoi. Essayer de retrouver un petit peu le feeling de la nana là. De se dire que peut-être les deux jambes parallèles comme ça, c'est pas très sexy et qu'en fait. Ah, je peux pas le tourner, ok, une contrainte. Merde. Alors, ça doit être un autre. Voilà. Et que de juste, peut-être, au lieu d'avoir un truc comme ça, juste de faire un petit intérieur comme ça, même si on n'est pas de face, ça va se ressentir. C'est plein de petits trucs subtils comme ça qui peuvent être intéressants, je pense, à récupérer et à apprendre le fait que voilà, hop, juste on va tourner comme ça. Il faut que ce soit sexy et sensuel, c'est un peu le truc de l'image. Et vous voyez, déjà ici, je pense qu'on voit un peu mieux que juste d'avoir tourné comme ça, de twister. Ça y fait un peu, enfin, j'en sais rien. Pareil, les pieds, je les ai mis comme ça, même si on les verra pas. Juste pour moi, ça me donne le feeling qu'elle est sans doute un petit peu comme on le voit sur des talons ou quoi. Et ça lui donne du coup une posture et une cambrure différente. Et c'est dans ma tête, en fait, ça me permet juste de la voir comme ça. Moi de sentir le feeling pour après le retranscrire même sur des trucs qu'on ne voit pas. Je pense que ça peut être assez intéressant. Après je sais aussi qu'en photo, même si j'y connais pas grand chose, mais du peu que je connais, par exemple quand on fait un shooting photo d'un modèle, sur une photo on voit pas les choses vraiment pareil qu'en vrai. Du coup des fois il y a des techniques de photographe quoi, de faire poser les modèles d'une certaine façon. En fait elles sont vraiment exagérées et complètement presque désarticulées. D'ailleurs je pense que c'est un peu ce qu'a fait elle. Avoir des poses un peu travaillées quoi, genre des trucs, il y a un truc je crois, c'est vraiment d'avoir les clavicules très sorties, les épaules vraiment en arrière mais pas naturelles. Mais du coup ça vous voyez ici là c'est bien, mais si je fais ça, ça va vraiment avoir un truc dynamique. Voilà, on sent vraiment qu'elle a une ouverture ici sur le centre au centre de l'image. En plus voilà, c'est des trucs hein, voilà, avec le bras un peu plus en arrière, tout ça. Faire des posings et c'est intéressant. Voilà, ça c'est les trucs par exemple. Là c'est des posings. Ouais, c'est sur une nana qui fait un shooting. Mais après, toutes ces notions par exemple là que je vais comprendre par moi-même ou que je teste ou quoi, sur ce modèle là, ça peut s'appliquer par exemple sur le mec de Fuse. Après, quand il faudra faire un posing hein, sur un robot ou quoi, c'est pareil. Alors, pas forcément les mêmes trucs, mais. Ça permet de comprendre que ah ouais c'est cool de faire sortir ici, d'exagérer pour avoir la silhouette, tout ça. Bon, alors là, la tête, je m'en occupe pas. Pareil, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, alors c'est même pas un vrai rig, hein, vous avez vu, il n'y a pas de comment dire, d'indirect ou de trucs comme ça. D'indirect, comment s'appelle ce truc-là? De IKFK, je sais pas quoi. Il n'y a rien, en fait, il y a juste des os, quoi. Mais ça me suffira. Voilà, pareil, là, je pense que de l'ouvrir un peu plus comme ça vers nous, ça peut être peut-être plus sympa. Putain. Là, j'ai l'impression qu'elle a le bide un peu trop sorti. Je me suis peut-être un peu enflammé. Oh là, je vais galérer du coup, parce qu'il n'y a pas ces fameux trucs, là, je dois le faire.
à l'ancienne, mais ouais, on va peut-être un peu moins exagérer. Ici, par contre, quelle est la poitrine plus? Rien, pas trop non plus. Juste qu'on voit l'épaule derrière qui ressort. Bon là, je rate pas le chat, hein. Je raterai juste un peu après. Là, j'ai quasiment mis la pause bloquée. Les mains, évidemment, je le ferai plus tard, ça. Mais comme ça, j'enchaîne un petit peu. Et après, je vous réponds tranquillement. Après, je vais essayer de récupérer le lighting. Alors ça, je pense que je vais un petit peu galérer quand même. Bon, alors, sa main, ouais, là, je vois que sa main, c'est pas ça. Pareil, rien que la position de sa main, vous voyez, elle est un peu. Elle est vraiment pas naturelle, mais ça fonctionne quand même en photo. Voilà. Ouais, voilà, c'est plus comme ça. Elle a vraiment la main le long du corps, je pense. Donc ça doit être plus comme ça. Voilà, et là, on est sur sa cuisse. Ouais, elle a la main qui vient se poser. Après, le fait qu'elle casse sa main ou quoi, ça, je le travaillerai plus tard. Je vais juste la mettre un minimum en place. Voilà, ça, je pense que ça va venir comme ça. Et comme ça. Encore une fois, là, je le répète, l'idée, c'est de me faire un personnage qui soit bien, mais ça va pas être le truc le plus photoréaliste du monde, d'accord? Je veux que ce soit photoréaliste, mais sans y passer une année dessus. Surtout qu'en plus, j'ai pas que la tête, hein, j'ai le full body, il faut faire les cheveux et tout. Donc basta, quoi. Puis c'est le genre de truc qu'on peut récupérer, on va pas me faire chier à faire une topologie d'un truc qui existe. Je pense que modéliser proprement une nana, depuis que la 3D existe, il y en a quelques-uns qui ont pensé, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop faire les trucs de voiture ou quoi, parce que... À part vraiment des modèles super définis ou quoi, il y a toujours quelqu'un qui l'a fait. Il suffit de taper sur Turbo Squad, il y a des trucs pour 100 balles qui sont vraiment pas dégueux. Et on peut vite s'amuser quoi. Il suffit de regarder le mec là qui s'est mis à la 3D, qui est super connu, qui fait des modifications un peu tuning, merde, lui son nom, de voiture. Bah lui en fait c'est vachement cool ce qu'il fait. Déjà il était super réputé en concept art, il faisait du photo bashing. Il prenait des photos de bagnole et il faisait du photobatch. Merde, faudrait, je vous en parle, il faudrait que je retrouve qui c'est. Merde. Je sais pas si je l'ai pas enregistré là. Ouais, j'ai plus son nom parce que je retiens, j'ai des soucis de mémoire, je retiens rien. Plus c'est un nom bizarre, je crois. Mais... Bon, je l'ai pas. Bref, vous le connaissez sans doute, il y en a bien qui va le connaître. Et il s'est mis à la 3D il n'y a pas longtemps. Et en fait, il récupère des modèles de voitures. Il fait pareil que ce qu'il faisait. Et il tombe presque en rendu dans la journée. Quoi. Mais en rendu, qui claque à photoréaliste. Parce qu'après, il fait que ça. Donc, il a ses outils, ses trucs. Mais il ne s'est pas cher à chaque fois à remodeler la voiture. Hein. Par contre, il apporte une vraie plus-value. Quoi. Il fait une sorte de tuning, mais un peu classe dessus. Et comme c'est un concept artiste. C'est-à-dire qu'il sort ça en 2 heures, normalement, quand tu fais du Photoshop, les gars, ils se focuseront sur le truc, et bam, ils enchaînent, ils font des modifications et tout. Ben, ils gardent le feeling, parce que si à chaque fois, il lui faut une année pour sortir une image, un concept en 3D, voilà, c'est pas terrible. Donc ça, c'est vachement bien, je trouve. Bon, allez, cette main, là, je suis en train de m'endormir dessus, as always. Par contre, en fait, je voulais garder l'épaule, mais bon, tant pis, on trouvera une solution. Ce qui est bien par contre, c'est que le rig il a des contraintes. Je peux pas faire n'importe quoi. Ça, c'est quand même pas mal. Ça peut être un peu chiant des fois, mais. Vous voyez, je peux pas par exemple là, casser l'os au milieu. Quoi. Ouais, du coup, c'est pour ça que je galère comme un con à arriver à coller la main. Faut un peu tricher. Ouais, je suis en train de la massacrer là, mais. En fait, elle était bien, j'aurais dû la laisser comme je l'avais mise. Voilà, hein, on va la mettre là. Ça ne dérangera personne. Ça n'a pas empêché de faire le reste. Alors, les jambes, c'est pas mal, mais on a l'impression qu'elle se passe casser la gueule. Je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment un peu bizarre là. Peut-être celle-là qui est trop avancée, du coup. Peut-être un peu l'avoir. Hein. Elle a la jambe trop en avant, les deux peut-être.
Là, c'est bizarre ça. Qu'elle va tomber en arrière. Alors, en fait, c'est peut-être parce que là, je me fous. Il y a aussi la caméra qui joue. Et on est en contre-plongée, ça donne. La caméra est un peu, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez, je m'en fous, je vais faire juste hop comme ça. Bon, la caméra elle a l'air pas mal. Peut-être. Ouais, je vais pas trop toucher parce que du coup, j'ai pas fait gaffe et j'ai. Allez, hop, on va pas toucher parce que je sens que je vais tout perdre. Je vais sauvegarder. Allez, ça c'est bon, juste la tête quand même, un petit peu, qu'elle soit un peu plus dans le style regard en haut là. Je te regarde de haut là. Fais pas le malin. Bam! Par contre, la tête. Il y a quand même. La tête, elle dépasse. Il y a un truc. Voilà, on va la monter comme ça parce qu'on voit, on voit quand même presque le dessous ici entre le menton et le cou. Je pense que la tête assez levée. Et voilà, après, bon, c'est une histoire de caméra un peu. Ouais, ça doit passer, voilà, à peine un petit peu comme ça. Allez, ça ira, je le ferai après, plus tard ça. Bam, belle. J'ai dit belle. Alors, qu'est-ce qui passe ça ici? Est-ce qu'il y a du monde? Alors, on peut s'inscrire par rapport à l'organix, ouais. Regarde Twitch, what the f... Non mais si je dis ça, c'est que j'ai jamais eu les remarques en fait. C'est un bon projet, ça change de la surface qu'il y a, pas quoi ça dans la vie. Ouais mais bon après c'est toujours pareil, tu peux pas savoir tout faire non plus. C'est bien de se spécialiser aussi un petit peu quoi. Mais bon oui c'est bien de changer aussi. C'est classe aussi, un perso humain avec une tenue propre. C'est quoi une tenue propre? Je dois filer. Oh, tout petit. Elle fait du squat. Ouais. Sûr. Mais je conviens en photo, une bonne pose n'est jamais agréable pour le modèle. Ouais, bon, elle est payée aussi. Un peu le menton pour donner la sensation. Ouais, ce que je vais faire, c'est lui, non? Ouais, c'est lui, bien joué. Bon, mais salut à ceux qui rejoignent. Merde. J'ai juste 2-3 trucs. Ça c'est bon. Ok. Alors ça, je vais le cacher. Pardon, je me mets de côté. Alors... ouais, allez, on va valider ça. Du coup, je vais repartir sur ma cam ici. Ouais, ça me semble cohérent, c'est pas mal. Bon, faut que ça corresponde un peu, comme je vous le disais, c'est pas l'idée, c'est pas de matcher ou quoi, c'est juste après de m'entraîner, donc au moins j'ai la pose un peu pareil. La tête est peut-être un poil. Toujours pareil, c'est une question de feeling. Par contre, ça fait. Ah ouais, elle doit être plus comme ça en fait. Parce qu'on voit ici que j'ai une inclinaison qui est pas bonne. Mais ça m'embête un peu parce que ça va tomber. Ouais, ça ira. Ça, pam pam. Alors, je vais bien bloquer la cam. Et ben, on va tester le lighting là-dessus. De retrouver le light. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sa combi parce que l'indication de lumière avec le reflet là sur la combi noire, c'est pas mal. Ça va me donner un peu une idée de ici d'éclairage. Pam pam pam, ça on va le mettre.
mettre de l'autre côté. Ouais, du coup, je vais faire la récupérer. Mais vite fait, je vais pas faire la combi, je vais juste récupérer l'appareil de façon temporaire. Je vais dupliquer ça. Ah. Bon, ben, tant pis. Hein. Tant pis pour les. Ouais, c'est bon, tant qu'il n'y a pas la texture dessus. Et on va récupérer un petit peu. Juste pour avoir le reflet, après, je la ferai proprement plus tard. Surtout que la pose n'est pas terminée, du coup, ça va plus fitter. Mais je pense que je peux récupérer un truc. Pourquoi ça me fait ça? Oh là là. Merde. On va prendre plus bas. Putain, c'est quoi ce topo? Ok. S'emmerder longtemps, on va faire ça. Delete face, bam et bam, ça qu'on veut. Là pareil, je vais faire un truc de l'espace du genre. On va essayer de faire ça. Ça. Là, je vais faire une pré-combi qui est pas, encore une fois, qui sera pas du tout la def, évidemment, vous en doutez. C'est juste pour avoir une matière. Ça me permettra aussi de cacher un petit peu le côté nudité pour pas avoir de soucis sur les replays, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui est sélectionné là. Ouais, voilà. Non mais sur ma velousse. Attends. Non, là, je fais pas le truc là, je fais juste un offset pour avoir la matière. Donc non, ça n'ira pas plus vite sur ma velousse. Ma velousse, je le ferai pour le définitif, bien sûr. Bon là en fait, je crois qu'il y a une composante qui est quelque part. Je sais pas, il veut pas. Boum boum boum. Ça, c'est bon, et du coup il me reste là. J'aurais aimé couper là, mais on va le faire autrement. Hop, boum. Voilà, nickel. On va lui passer un petit coup de fer à repasser. Non. Après, je vais juste lui mettre un petit chaleur. Salut mec. Ben, on dit rien. Le mec se réveille. Un petit Canadien qui se réveille. C'est pas mignon ça. Bam. On va mettre un shader. Vite fait. Voilà. Je vais faire un petit et je vais faire un petit offset et voilà, en deux clics c'est terminé. Bon, il y en a évidemment qui vont pas comprendre que c'est pas le truc tous les psychorigides de la ville. Mais bon, tant pis, je le répéterai 20 fois. Voilà. Alors là, je vais faire un tout petit offset. À peine. Nickel. Mais bon, déjà, ça fonctionne bien. Après, je ferai le même principe, évidemment, pour le reste, mais en plus travaillé.
Là, l'idée, c'est encore une fois, toujours pareil, aller vite, et bloquer, pour pas passer la vie sur des trucs qui ne servent à rien de passer la vie dessus. Un petit relax, juste histoire de casser le côté... Le côté, vous avez compris. Ça va faire un peu plus smooth, ça va faire des sortes de tensions. Bon, le relax, il y a le smooth peut-être qui va... Ah, mais lui, il rentre droit. Bon, le relax, c'est mieux. Juste un petit peu, ici... Encore là, je me suis en train de me prendre justement la tête pour rien du tout. Voilà, le son c'est bien. C'est quoi le raccourci déjà? Hop, ça. Faut que je fasse gaffe de pas avoir. Voilà. Bon, maintenant je peux enlever ça. Il devrait plus y avoir. Hey! Il devrait plus y avoir de soucis. Putain. Il faudra que je réduise un petit peu la poitrine. Là. Ça fait un peu violent. Alors ensuite, hop, dans la cave. Voilà, donc là je disais, ça va juste être histoire de récup. Pareil, je ferai un morph target pour la poitrine, parce que surtout comme ça, là, elle fait un peu trop forte. Faudra que je la réduise avant de faire le truc. Ok. Bon, maintenant le lighting. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de parler parce que j'en ai marre. Par contre, je ferai des pauses comme d'hab, je vais mettre un peu de tic. We'll be right back.
Bring it back. Bring it back. Bring it back. Bring it back. Bring it back. Bring it back. Bring it back. Bring it back. Bring it back. Belle belle. Donc je vais reprendre un peu l'audio. Donc ouais, vous avez capté le truc là que j'ai fait pour la lumière. Je teste, hein, c'est vraiment encore une fois de la RD que je fais ici. Donc voilà. Je teste des trucs, je sais pas trop ce que je fais. Ah, et là j'ai perdu mon. Alors, pam pam pam, j'ai essayé de réduire les cœurs sur Maya pour éviter de faire planter le live. Je lance un rendu. Allez, putain, Maya, t'es où? Ok, ça va aller mieux. On va sauvegarder. Voilà, et là, je vais essayer de matcher et de retrouver les lumières. Ah, le problème, c'est que je suis assez con parce que si je fais ça, j'ai plus. Le reflet, voilà. Alors, c'est parti. Ici, je vais foutre ça. Plus fort. C'est déjà assez fort. Et essayer à peu près de retrouver un truc. Bon, la meuf, hein, vous avez compris, comme je disais au début, il n'y a encore rien de fait, vous allez le voir. Vous allez assez vite le voir. Alors, la lumière, attention de ne pas faire ça. Vous voyez, là, c'est un peu trop. C'est vachement trop faible. Ne mettez pas la lumière trop proche. Évidemment, enfin, ça arrive, mais une lumière, surtout, c'est la principale qui envoie le truc. On ne la met pas au visage de la nana, sinon elle crame. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est soit grossir ou soit mettre plus intense, tout simplement. Au début, quand on fait la 3D, on light toujours avec les lights sur les objets. Ouais, il faut prendre un peu de distance. Alors déjà, on va régler la taille. Ok, ensuite je vais booster du coup mon intensité qu'on voit quelque chose et on va essayer de la placer. Évidemment, on voit que c'est plus une light un peu en rime comme ça, vous voyez, du coup, que comme ça. Alors j'ai évidemment pas retrouvé les mêmes boss et tout, hein, faut pas se délire, mais vous voyez déjà là, bon voilà, j'ai retrouvé un peu le truc, ça va ici, du coup c'est pour ça que j'ai contre. Attends, je vois plus là. Est-ce qu'il y a un chat? Belle, bon, vous m'entendez d'ailleurs ou pas, parce que j'ai remis le micro, je sais pas si vous êtes là. Nano, pour extraire les vertèbres du corps pour créer la robe, tu as utilisé un raccourci ou c'est un outil? Pour extraire les vertex. Les vertex. Les faces, tu veux dire? Non? Bah tu fais Ouais, bah tu regarderas le replay, enfin tu regarderas le replay. Juste quand j'ai terminé en fait, t'as le replay qui est en ligne, tu regardes comment j'ai fait. Mais c'est juste une extrude, hein. Y a rien de compliqué. Ah non, c'est pas une extrude, c'est un transform. Hein. Mais bon, ça c'est la base, hein, si tu. Enfin, tu vois ce que c'est. Quoi. Alors, ouais, j'en étais où?
Ici, ouais, du coup, ma light. Alors, j'essaie de focus ça, par contre, sur la perspective. J'ai pas besoin de ça. Merci. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, du coup, vous comprenez que c'est pour ça que j'ai contrasté, pour me focus vraiment sur... D'abord, parce qu'en fait, on est dans le noir, il n'y a pas d'indirect, il n'y a rien. Du coup, vraiment, les lumières fortes. Et je vois... Ici, déjà, sur la cuisse, vous voyez. En fait, j'ai pas retrouvé le même setup, parce que c'est pas moi qui ai pris la photo, j'ai pas les mesures, je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait comme lumière ou quoi. Mais je vais essayer de choper le truc, quoi. Et on voit déjà que sur les cuisses, ici, hop, ça semble correspondre. Là, ça semble correspondre sur le reflet et l'éclairage. Et ici, on a le col. Voilà. Le cou. Alors, je pense que la lumière doit être plus forte par rapport à ici l'intensité. En fait, c'est ça là. Ça, j'ai fait une connerie, pareil. Ça, c'est trop fort. J'ai mis mon shader à fond parce que j'avais pas assez de reflets. C'est débile. C'est pas une boule de métal, vous voyez, l'aspect à fond. Au max, max. Voilà, ici c'est du cuir un peu réfléchissant. C'est comme ça. Voilà. Et là, on a un truc plus cohérent. Du coup, ça va me permettre de matcher un petit peu. Donc là, c'est sous-exposé, enfin, ça manque de lumière. Mais ça me permet de raccorder un petit peu à l'intensité entre la peau et le cuir. Enfin, le cuir, je ne sais pas ce que c'est, le close, là. Vous voyez ici, pareil. Et du coup, ce que je vais faire, je vais par contre remonter l'intensité ici. Parce que pour le coup, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pour avoir plus sur les cuisses, on retrouve ce qu'on avait. Mais on a un meilleur équilibrage entre l'éclairage de la peau, l'intensité d'éclairage sur la peau, et ici. Ok. Alors pareil, je vais faire toujours pareil, un blocking, je vais pas y passer la vie. Là, ça me semble bien. Hein. Après, on peut rotate, on peut tester des trucs, mais... Pff, on va rester simple. Là, je pense que je suis bon. Toujours pareil, blocking. Comme ça va bien prendre la main. Et en fait, c'est encore pareil. C'est comme ce que je faisais sur la pause tout à l'heure. Vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps, mais j'ai compris des trucs. Juste en faisant le posing, etc. Ah tiens, c'est comme ça que ça marche pas mal et tout. Et du coup, là, pareil, sur le lighting, vous voyez, on voit que c'est la rime, elle est bien juste là où il faut. Et quand on contraste comme ça, en fait, notre œil, il voit ça, il ressent ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu accentué. On voit où sont placées les lumières, pourquoi ça a été fait comme ça. Ouais, c'est plutôt du latex, je crois. Je sais pas pourquoi je suis parti sur du pire. T'as raison. Je suis pas un spécialiste en latex, excuse-moi. Mais tu as sans doute raison. Ok. Ouais, faudrait demander à Lyrien, il s'y connaît bien lui. Alors, bam. Là, je baisse un petit peu pour pas que ça explose trop. Voilà. Ok, mais déjà en tout cas, vous voyez la main ici, ça marche pas mal déjà. Bon, après il y a tout à faire encore. Alors, ça c'est bon, ça c'est la principale. Alors, on va appeler, enfin, c'est la principale. Ouais, on va l'appeler la Keylight quand même. Allez. On va dire que c'est la Keylight. Maintenant, je vais essayer. Il n'y a pas vraiment de... La file, elle doit être très légère parce qu'elle a explosé, vous voyez. Tout au milieu là, en front, il n'y a pas. Elle doit y être, mais elle est très légère. On va mettre une espèce de petite bague de l'autre côté. C'est assez simple hein, comme lighting, je pense. Enfin, c'est simple. Alors, elle va être... Oula, pareil, là, c'est trop. Je pense que c'est... On le voit ici, il va falloir garder sur le visage. Ici, celle-là qui vient comme ça. Et ici, et au milieu, on a une sorte de bande noire, là. Ça, c'est fait exprès, en fait. C'est ce qui permet de donner du volume. Ça donne du volume, davantage de volume, ça accentue le volume. Donc là, j'ai pas l'entièreté du visage, mais vous voyez, ça va à peu près arriver ici, mais ça va être beaucoup plus doux par contre. Hein. Donc pareil, on va garder une distance correcte. Alors, elle va être un peu plus difficile, hein. La première c'était quand même la plus simple. Mais je pense qu'un truc comme ça, ça me semble pas mal. Je vais la baisser en intensité pour le coup, pour que ce soit plus doux. Alors on va le voir sur la robe ici, sur la courbe là.
Voilà, à peu près où ça doit tomber, et ça doit tomber, vous voyez, un peu plus en arrière quand même. Voyons, sur la cuisse, ici, on voit que c'est éclairé. Hop, ici, voilà, j'ai monté, voilà, sur la cuisse. Vous voyez cette bande noire là, qui pareil fait le volume, comme sur le visage. Elle est présente là, et là, ça va un petit peu trop loin encore. Donc il faut juste trouver. Et là, la bande elle est trop grosse. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ici, du coup, ça va créer une bande également. Alors après, on peut aussi rotate, mais je sais pas si ça va jouer. Ouais, ça joue pas des masses. Ça, on s'en fout un peu. On va avoir ça aussi. Est-ce que c'est un truc haut comme ça ou pas? On s'en fout un peu aussi. La taille, ça va être important. Alors, je pense que je suis pas mal. Du coup, ouais, c'est plus doux. Merde. Oula, ça fait peur ça. Ah. Le truc fait peur. Alors, je vais un petit peu l'accentuer en rime parce qu'après, je vais mettre une file qui va déboucher, il y aura l'IG, etc. Mais voilà. Du coup, là, j'ai un peu mes deux lights. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez, si vous voyez des trucs que moi je vois pas ou quoi. Bon, après, là, je suis en train de le faire encore, mais. Faudra vraiment que je réduise les seins assez fortement et que je lui ferme les yeux. Mais bon, ça je le ferai plus tard, je m'en fous. Du coup là, j'aimerais voir un peu ouais, sur la cuisse comment ça va lui prendre. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste corriger la robe pour un truc un peu plus similaire. Bon, là on a un petit souci. Je vais éviter quand même de faire les trucs un peu vulgos. Par principe. Du coup, on va couper comme ça. Là, c'est un peu trop. Voilà, comme ça, ça fait mieux déjà. Ok. Bon, alors ça, c'était mon image contrastée. Je vais aller chercher l'image juste en noir et blanc pour me focus sur le lighting. Pas être perturbé par. Ah non, pas open. Par des couleurs ou quoi. C'est celle-ci. Voilà. Et on va progresser comme ça, toujours pareil, tout doucement, petit à petit, chaque chose une à une. On isole, on avance, machin. Et voilà, du coup, on voit que là, c'est moins contrasté, c'est plus doux, évidemment, on va retrouver ça en le travaillant. Par exemple, je pense que je me suis un peu enflammé ici, on va le baisser à 6. Un peu plus large. Et ouais, parce que du coup, c'était contrasté, et j'ai lighté contrasté. Du coup, je vais réévaluer mes lights, et je vais mettre une file, et je vais mettre l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, je me le rappelle ici. Je vais lui mettre le même gris que là. On va voir ce que ça me donne ça. C'est quoi ça? Top, il dégage. Boum. Voilà. Là, ça m'embête un peu. Du coup, la couleur sur la nana.
coup, je vais juste lui mettre un Lambert. Juste le temps. Voilà. Vous voyez comme ça c'est plus lisible, on reste focus sur le truc et le Lambert. Mais j'ai mis le Lambert, mais comme ça n'a pas changé le shading group, ça me garde la displace, je crois. Alors c'est parce qu'Arnold l'a pas updaté, j'en sais rien. Bon, après les cheveux, ça effet beaucoup hein, sur le visage, il faut pas trop se focus dessus. Mais ça devrait le faire. Sur un blocking ici, on voit le reflet, il est pas mal là. Dites-moi si ça vous intéresserait, bon après il faudra que je vois si j'arrive à le finir et à faire ce que je veux, mais un truc sur le lighting comme ça, un truc, un tuto. Alors maintenant, ouais, elle là, on va un petit peu la ramener. Vers... Ah ouais, peut-être pas. Ok, j'ai rien dit. Ah là, ça doit être le sol qui se reflète. Et j'ai pas de sol. Du coup, je vais mettre mon anve. Et je vais voir si ça me fait ramener quelque chose. Déjà, ouais, de mettre l'environnement. Alors attends. Toi dégage ici. Ouais, un tuto lighting, ben un tuto lighting, c'est un peu ce que je suis en train de faire là, quoi. Ben, c'est carrément ce que je suis en train de faire là. Savoir évaluer les trucs et faire et avancer comme il faut. Pourquoi ça? On va laisser tourner. Là, je laisse terminer pour storer le truc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais balancer l'environnement. Comme ça, on devrait avoir de l'illumination globale qui va se pointer. Parce qu'elle, elle est à l'intérieur, on voit qu'elle n'est pas dehors. Puis même pas importe, dans tous les cas, illumination globale quand même. Donc là, je vais faire un delete history. Je vais aller sur l'environnement et je vais aller piquer rien du tout. Ce que j'avais déjà fait. Voilà, comme ça, j'ai un truc gris. Par contre, ça devrait... Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais voyez. Juste d'avoir l'environnement, j'ai même pas ajouté la light pour filer, mais regardez, juste, vous voyez ici, comment on était, hop, et juste de rajouter l'environnement, ça ajoute quoi? Pile. Alors, il est pas très puissant, parce qu'ici ça va être plus réfléchissant, mais on a le reflet qui vient s'ajouter ici, comme on a là, d'accord, qu'en fait c'est un reflet, c'est pas un éclairage, et on a, ça adoucit vraiment, du coup ici, par l'illumination globale, vous voyez, comme on a ici sur la peau douce. Donc apparemment je me suis pas trompé, j'ai bien compris le truc. Avant de mettre une light, et d'ailleurs je vais pas mettre parce que je pense qu'il n'y en a pas ici, ça va être juste la GI qui va venir faire toute cette étape de déboucher en fait. Et normalement ça devrait suffire, parce que je pense pas qu'ils ont matos de fou là. Je trouve qu'ils ont trouvé un bon environnement et avec une lumière naturelle. Donc ils ne devaient pas avoir de réflecteur ou de truc comme ça de fou. Et ça doit juste déboucher avec l'environnement. Parce que le problème, et un truc qu'on oublie tout le temps en 3D, c'est qu'on est dans la galaxie en fait, dans l'espace. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien, on est dans un environnement noir. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre une box autour ou quoi pour ça. Pour évaluer ça. Par exemple ici, là, je suis encore un peu bouché. Je vais essayer de le déboucher davantage. Un petit peu, et je pense que justement c'est par rapport à ça. C'est que face à elle, il n'y a rien. Il y a le néant. D'accord? Alors je pense que ici. Je sais pas, ça va être un environnement urbain un petit peu moderne. Elle a sans doute un mur ou quelque chose en face qui réfléchit toute la lumière ambiante. D'accord? Donc pour le vérifier, on va storer ici. On va poser ici. Parce que là, j'ai fait ma botte, c'est bien, mais j'ai laissé ouvert devant. Du coup, ça sert à un peu à rien. Du coup, on va vérifier que la caméra, elle est bien à l'intérieur. Et on va faire tout bêtement. Un point, on va refaire le cube que j'avais défait. Voilà, et comme ça va bien bouncer. Et pareil, ici, on va fermer. Et comme
Comme ça, on va être à l'intérieur de la box. Alors ça, c'est assez embêtant pour travailler, parce qu'en général, on aime bien prendre du recul, et je veux pas grossir la boîte. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, vous le savez, évidemment, ceux qui me suivent, on fait un petit low visibility. Donc c'est plus visible dans le viewport, ça nous embête plus, mais évidemment, au rendu, ça sera toujours présent. Là, comme j'ai modifié la géométrie et tout, je vais quand même faire un update full scene pour être sûr que tout est bien pris en compte. Et regardez à quel point c'est même pas débouché, ça a complètement éclairé presque trop fort le visage, d'accord? Donc je pense que je vais rester sur un lighting à deux lumières. Voilà, je pense que j'ai trouvé l'éclairage. Voilà, juste en, je sais pas, 20 minutes là, que je suis dessus. Vous voyez, en posant les bonnes questions. Vous voyez? Sans le mur en face et avec le mur en face. Alors que la plupart, même moi au début j'étais tenté, je me suis dit tiens, je vais mettre une lumière. Alors je vais quand même en mettre une, parce qu'ici on a une spec, et surtout, très important, le problème de la J c'est que ça fait pas de spec, du coup il n'y a rien à réfléchir. Et on va faire genre, il y a une petite fenêtre, on va mettre une petite lumière déjà parce qu'il y en a une ici. Donc celle-là, ce reflet-là ne peut pas venir de la lumière de gauche ou arrière. Et ne serait-ce que ici sur le nez et les lèvres, il va falloir qu'on ait une belle petite spec qui vienne travailler ça. Donc là je pense qu'ils avaient une lumière qui venait faire ça, du coup maintenant on va passer à celle-ci, on va quand même mettre du coup une troisième lumière, mais qui va juste être une lumière comme ça de détail et qu'on va venir placer. Alors je suis très malin parce que j'ai juste pas coupé ouvert ici, là où j'aurais aimé avoir ça. Et vous savez ce qu'on va faire? On va pas s'embêter, voilà. C'est là où les psychorigides comprennent pas. Oula, attendez, parce que là je suis en train de faire une connerie. Je vais sauvegarder. J'ai fait une connerie. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a sauté, je sais pas quoi. Ah, putain, c'est peut-être Arnold qui m'a foutu la merde. Voilà. Sauvegarde. Oui, donc je disais ici... Enfin, parce qu'Arnold, en fait, il prend le contrôle un peu sur les mèches, et si on n'arrête pas quand on commence à faire des trucs, des fois, il peut ne pas apprécier. Et tout simplement, je vais mettre mon shader. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Voilà. Et on va le mettre directement sur la peau. Basta, on s'en fout. Ici, boum. Du coup, je ne l'ai pas renommé par contre. Ça, c'est un peu emmerdant. Je crois que c'est ça. Voilà. Et comme ça, j'aurai ici la zone pour essayer de catcher ce reflet-là. Ok? Je duplique ma light, je la pré-positionne là où j'estime que ça va être. Alors ça va être une light plus petite, elle a l'air d'être carré, un truc comme ça, je pense qu'elle doit être une distance comme ça. Mais c'est toujours pareil, il ne faut pas se dire, oh là là, vous voyez, il faut avancer vraiment en blocking, tranquille, et sécuriser les choses, toujours pareil. C'est toujours pareil. Plutôt que de dire, ah, il faut que je fasse ça, alors il faut que je le fasse bien. Tu le fais, et tu fais, et le temps passe, et à la fin tu perds le feeling, le contrôle, et tu sais que tout est propre, mais tout est nul en fait. Alors, oh putain, ah oui non, c'est normal, je me disais, oula, il y a un truc qui va, non, c'est juste que j'ai rajouté une lumière dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais juste hide ça. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je pense qu'il y a un petit truc qui s'est passé, mais c'est pas très grave. Ok, c'est bon. Je l'ai. Je sens que Maya va pas tarder à cracher. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Ah, y'a rien, t'es là, mec, ou... Ou tu prends ta douche. Ouais, t'aimes pas l'organique, toi. Putain, pourquoi y'a rien qui marche, là? Oula, je le sens pas, ça. C'est quoi, ça? Ouais, ça, c'est pas bon, du tout. Alors, ah ouais, si... Putain, le gars est là, quoi. T'as vraiment de faire chier, toi, dimanche. Ouais, du coup ça peut même éclairer un petit peu l'arrière, ça serait pas mal. Après l'arrière on peut lui mettre un éclairage indépendant. Mais du coup ouais, ça va faire un bon truc sur l'arrière. Là.
juste ce qu'il faut. Alors là, je vais essayer de récupérer. Bon, même si la poitrine, du coup, elle est pas du tout pareille, je risque d'avoir un reflet différent, mais à peu près pour choper la position. Pareil sur les lèvres, je vais lui mettre le truc là. Des gens sur Montréal. Bah ouais, je pense que tu dois pouvoir trouver ça. Alors on va mettre ici ça, comme ça. Putain, on dirait Marilyn Manson. C'est pas mal, n'empêche, comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir aller chercher ma spec. Alors je pense que ça... Elle, par contre, elle va être difficile à trouver, hein. Ça va plus être une file ou quoi. Belle make, folk VFX, je connais pas. Je connais pas trop. Ah, là je suis bien, je l'ai sur la lèvre, je l'ai ici. Ah, mais c'est peut-être celui qui fait ça, et je l'ai là. Ouais, là je suis pas mal. Cette lumière, les lumières frontales, il faut faire attention parce que c'est les plus violentes. Vraiment, elles débouchent tellement que... Faut faire gaffe, quoi. Et je pense que du coup, ouais, je vais la mettre plus là-bas pour... Bon, on va partir sur ça. Je lis sur la lèvre. J'ai un truc ici. Je pense qu'avec des plis, il devrait la choper. Après, j'ajusterai, bien sûr. C'est comme blocking, encore une fois. Et là, j'ai quelque chose ici. Oh, c'est pas mal. Si on regarde le visage, juste en mode comme ça, dégueulasse poupée, là. Ça va. On va y voir. Ouais, bon, après j'ajusterai. Allez, c'est très bien pour l'instant. Par contre, je vais vraiment le mettre léger. Parce que ça débouche trop, sinon voilà, que je garde bien les autres en principal. Ah. Voilà. Vous voyez, comme ça, tout doucement, là, ben, finalement, j'ai quand même mon truc qui avance, quoi. En peu de temps, quoi. J'ai fait un posing, lighting, le blocking du posing. J'ai tout bloqué. Et après, comme ça, je pourrais prendre le temps de faire le détail, etc. Mais je commence à avoir ma scène en place. Salut, Lacpo. Salut, mec. Bon, est-ce qu'il y a du monde encore derrière ? Un petit peu. Tranquille, tranquille. Bon, quelle heure il est là ? Ah, putain, ça passe. Bon, peut-être que je reprendrai ce soir. Je vais faire une pause, là. Je vais pas y passer la vie. C'est juste histoire un petit peu de vous montrer le truc, et si ça vous intéresse, je referai peut-être un peu plus tard dans la soirée. Je reprendrai ça. Si j'avance un petit peu aussi, ça pourrait être un peu plus intéressant pour vous. Ok. Bon, je suis assez content du lighting.
beaucoup à faire. Je vais l'ajuster tranquillement. Mais ça me semble pas mal. Top. Bon, ouais, je vais faire une pause. Je vais continuer un petit peu de mon côté, tranquille. Aller manger, faire une pause de mon côté. Et peut-être que ce soir, si je suis chaud, on fera la suite. Comme ça, vous verrez aussi l'évolution. Et on continuera sur ça avec le shading, etc. Ok. Allez, je vous dis peut-être à plus tard. Ou sinon, à l'an prochain. Ciao, ciao. Belle. Et bien c'est reparti pour la suite du live de ce matin. De ce matin ou de cet après-midi, d'aujourd'hui en tout cas. Si vous l'avez pas vu, il est en replay, donc je vous invite à le regarder, c'est la première partie. J'avais fait le posing, j'explique un petit peu le truc, tout ça, donc je vais pas revenir dessus ici, on va juste continuer. La clé, il est 20h30. Je vais essayer d'enchaîner un petit peu en fait, parce que le projet, quand même, l'idée de ce projet, c'est de faire vite. Voilà, c'est juste avant de partir en vacances, pas commencer un gros truc. Mais faire ça sur 2-3 jours, là, je suis un petit peu déjà en vacances, donc faire plaisir un petit peu, ça fait des mois que j'ai pas fait de 3D dans Maya et de 3D perso, du coup, voilà, j'ai envie de faire un petit truc, et en plus, un truc qui change de Earth Surface, tout ça. Ok. Ouais, c'est parti, je vais attaquer. Si vous voulez des explications, vous regarderez le replay. Je vais attaquer direct. Alors, au programme, ce soir, j'ai fait la petite to-do. Boum. Alors voilà, l'idée c'est de refaire ça. Ce matin, on avait tout mis en place, le personnage, tout ça. Un blocking, on avait fait un bon blocking du posing. J'ai terminé là, la partie, voilà, j'ai pris la minute pour terminer les mains, les doigts, etc. pour que ça soit terminé. La caméra, elle est bloquée. Les lights, elles sont pas mal en place. On a un petit environnement, on a tout. Donc le lighting est bien en place. Maintenant, je vais passer du coup à l'étape. Voilà, j'ai bloqué aussi le close avec les références. Là. Étape supérieure, on passe à un peu plus de détails. On se dit, ok, tout est en place, la caméra,
La nana, elle est là. Les lumières, on sait comment fonctionner. Il faudra juste les déplacer, les ajuster, les affiner, mettre des UXR à l'intérieur, faire des tests, tout ça. Mais tout ça, on s'en fout complètement parce que ça fonctionne déjà à 80%. C'est juste les 20% qui manquent, qui prendront beaucoup de temps, mais on fera sur la fin. Du coup, là, ce qui va m'intéresser, ça va être de commencer à bloquer les éléments secondaires, comme par exemple faire le close, placer les cheveux peut-être, voilà, cacher les trucs et avancer tout doucement dans mon image. Mais ça commence à être bien parti. Donc c'est plutôt encourageant et du coup j'ai envie de rusher un petit peu ce soir. Alors là, d'abord on va faire les morph targets. Comme je disais pour affiner, j'ai fait la pose, elle est pas mal, ça correspond pas mal, ça match, etc. Ok. Maintenant ce que j'ai, le petit souci que j'ai, c'est que je veux garder un petit peu de subtilité, du coup c'est pour ça que je fais cette référence par rapport à un truc qui existe, etc. Donc c'est une vraie nana, c'est pas un truc, un concept ou un petit peu, comment dire, surproportionné. Là, le problème, c'est que la poitrine, voilà, c'est une poitrine par défaut, elle est bien, mais c'est vrai qu'elle correspond pas. Et en plus, avec le truc en latex, si je garde cette forme-là, ça va faire un peu trop exagéré. Et voilà, et ça correspond pas au type de ce que je veux faire. Je vais faire un petit peu un truc entre deux, peut-être un poil plus qu'ici, parce que là, je pense qu'elle est vraiment écrasée par la combinaison. Du coup, on va voir ce qu'on va faire, mais du coup, ça va être d'atténuer un petit peu la poitrine. Alors pour ça, je vais utiliser les morph target très très simplement. En fait, bon, j'en ai déjà. Le truc, il faut juste, c'est très simple. C'est des blend shapes un peu avancés, mais le principe est exactement le même, hein, que les blend shapes à l'ancienne. Ça se trouve dans le sculpting ici. Vous l'avez là. Alors, moi, j'ai bifurqué là. Voilà. Vous créez un blend shape et des targets et juste avec un slider, il va faire entre A et B, entre deux poses. Il n'y a rien de plus simple, d'accord? Et c'est vraiment cool. Par exemple, ici, je vais pas détruire ça, parce qu'en fait, je vous rappelle, c'est mon modèle type. Donc ça, c'est ma poitrine de base, d'accord? Que je veux garder pour chaque fois que je voudrais réutiliser ce personnage-là. Je vais faire un truc par-dessus qui va venir modifier, juste déplacer des vertex. On ne va ni créer ni supprimer des composants, on va juste les modifier. Donc on va faire un blend shape. Pour ça, c'est très simple. Je duplique ma géométrie. On peut aussi revenir à la frame 1. C'est pas mal. Voilà, je duplique ma géométrie ici. Hop. Et je fais des modifications. Et on va faire l'interpolation entre les deux. Et ça fait un blend shape, d'accord? Donc ça, c'est d'autres poitrines qui sont juste en fait différentes, mais encore peut-être un peu grosses. Donc je vais pas partir là-dessus. Ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer après, on va faire pour les yeux, c'est que j'en ai fait une. Voilà, qui est vraiment très très plate, d'accord? Presque encore plus que ce que j'ai sur ma référence. D'accord? Donc comment je fais ça? Bon, c'est très simple, on va le voir après pour les yeux. Ouais, bon, par exemple. Directement. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Il n'est pas bougé lui. Ah ouais, il est loqué. Toi tu veux bien? Merci. Tout simplement, vous venez ici. Comme c'est symétrique. Boom, Modeling Toolkit, j'active la symétrie, je vais dans Sculpting. On peut aller dans un brush s'il y a des trucs compliqués, mais là, comme c'est à basse définition, il n'y a pas besoin. Et avec vos outils, vous venez faire vos modifications. Bam, je smooth par exemple. Moi, dans mon cas ici, je voulais la smoother, je la sculpte, vous faites exactement ce que vous voulez. Et vous avez votre mesh. Voilà, donc ça n'a pas peine de vous le montrer. Je l'ai fait. Voilà, je m'en suis fait quelques petites variations. Et du coup, la A et la B, je ne vais pas me servir pour ce modèle-là parce que je sais que je veux la C. Qui me servira directement. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne le mesh que je veux blend shaper, enfin, que je veux mettre en target. Je fais clic droit ici et je fais Add Selection as Target. Point barre. Alors, bien sûr, ça, on va les cacher. Dans Morph, je garde mon principal. Vous m'entendez d'ailleurs? Faites un petit hello quand vous arrivez. Et comme ça, vous voyez, je peux avoir un contrôle. Plus ou moins. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'oreille qui bouge. What the fuck? Ah, j'ai dû toucher des trucs. Merde. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ouais, ça va pas mal. C'est pas très grave. J'ai dû faire ça un peu vite. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais faire des conneries. Ouais, mais en tout cas, voilà. Je vais pouvoir, comme ça, venir gérer le degré d'aplati. Donc, on va faire un truc, je pense. Comme ça? Voilà. Nickel. Alors,
que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre. Du procédural, c'est comme sur Houdini. Ah, j'ai pas compris, mec. Ok. Qu'est-ce que du procédural comme sur Houdini? What the fuck? Alors, est-ce que je vais mettre cela ou... On va mettre la poitrine A aussi, tiens. La target. Poitrine C, poitrine A. Comme ça, je pourrais peut-être faire un mix et avoir un truc qui correspond encore mieux à mon modèle. Voilà, comme ça, si je fais ça, je peux avoir un truc un peu plus pointu comme ça. Ouais. Et on peut mixer et ça permet de contrôler à la volée exactement ce que l'on veut. Ouais, ça me permet d'avoir de moins avoir la forme ronde et de casser un petit peu comme ça. Et juste avec quelques formes extrêmes, on peut commencer à faire une interpolation. Voilà, et ça sera un petit peu mieux. Ici. Ensuite. Alors ensuite, je voudrais fermer les yeux. Donc je vais faire pareil, un mesh close eyes. Donc je vais récupérer. Peut-être que c'est ça qui m'irritait. Je sais pas. Donc ça, on va le fermer. Je vais dupliquer. Je vais appeler ça eyes close. Ok, ok. Je me disais, qu'est-ce que tu racontes? Après oui, des blend shapes, c'est classique, hein, ça y est dans tous les softs. Il n'y a rien de fou à ça. Ah ouais, alors attention, hein, parce qu'il me faut repartir de ma base, sinon ça va pas être bon ça. Là je fais n'importe quoi. Par contre, je crois que si je prends celui-là, il est... Ah mince. Ah punaise. Bon, je vais faire un truc tricky parce que j'avais eu un bug là-dessus, mais c'est pas grave. On va appeler ça... Base. Ah, j'ai oublié de garder un référent. Ah ouais, c'est génial, mais ça existe depuis 15 ans, hein, c'est la base. Enfin, un blend shape, un animation, ça existe depuis toujours. Quoi. Mais là, ils l'ont refait en plus en plus simple, mais avant, c'était... Avant, t'allais dans animation, ici, déformeur, blend shape, et ça existe depuis le début de Maya. Hein. Y a rien de... Pas besoin d'outil ou de procédural ou de truc. Je sais pas quoi. Alors là, on va lui mettre... Alors là, je me crée juste ma base que j'avais oublié de faire. Alors le problème, c'est qu'elle a des trucs dans tous les sens, donc je... devoir vraiment l'exploser. Et pour bien exploser un truc, moi ce que j'aime bien faire, c'est carrément l'exporter vite fait n'importe comment sur le bureau, parce que là je suis pas sûr, il y a des trucs comme il y avait un rig assez costaud dessus. Voilà, au moins là on va importer un OBJ. Ok, ça doit être ça. Voilà, comme ça, là, j'ai ma base. Ok, je vais la mettre ici. Et elle, je la modifie jamais, elle me sert juste de base. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon ice close. Nickel. Je vais venir, bah, du coup, fermer les yeux. Donc, normalement, c'est symétrique, j'ai juste à le faire d'un côté. Alors, je vais pas y passer 20 ans, là, c'est pas pour l'animation, c'est juste temporaire, pendant que je travaille, pour pas voir les yeux. Parce que vraiment, quand on fait des rendus, les yeux, c'est ultra... Si, comme les yeux sont pas faits, on a l'impression que tout est faux parce que le regard est complètement faux. D'accord ? C'est tellement important au regard que... Ouais, que ça... Ouais, je préfère les fermer. Juste par principe, ça se verra pas. De toute façon, les yeux, on les verra pas sur le modèle. Donc là, en gros, je les ferme juste pour moi, quoi. Bon, alors, je pensais que ça marcherait bien, ça, mais non. Alors, on va tenter autre chose. Je vais pas y passer la nuit. Si je fais... Bon, en fait, je pense que je vais passer la nuit. Ah ouais, en plus, il y a ça derrière. Putain. Ah, ça me saoule, ça. En plus, c'est un seul mesh et tout, mais je suis obligé de le garder comme ça. Bon. On va s'en sortir. Je crois que si je fais ça... Voilà. Ici, je peux. On va faire avec les brosses. Ça sera le plus simple. Et tout doucement... Je vais grab and fermer mon œil. Nickel. Ah ouais, ce que je vais faire, hein, c'est ce qui est bien avec ça. On peut créer un masque. Je sais pas comment, mais on peut créer un masque. Freeze tool.
Bam, bien sûr le freestool. Alors je crois qu'il faut faire un clic droit. Show ailleurs. Merde. Le truc c'est que... Ah oui, peut-être que je désactive ça. Merde. Ah, je sais pas comment on fait pour voir le freestool. Pour voir là où est-ce que j'ai frisé. En fait, ça va faire un masque. Et le problème, c'est que le masque, on ne le voit pas. Ouais, freeze. Ouais. En plus, je le sais, j'ai déjà fait. Masque target amplify. Alors, peut-être quand double-cliquant dessus, ce sera plus intelligent. Display. Show. Show Frozen Mask. Ah, t'es marrant toi, mais. Je vois pas grand-chose là. Ok, bon, si quelqu'un connaît mieux que moi comment ça marche, je sais pas serait moi en train de galérer. Pourquoi? Freeze all. Non, il n'y a personne qui connaît un peu. Hein. Ah, mais c'est parce que mon mèche, il a un problème, ce mèche. Putain, fais chier. Ah, ça me saoule, ça. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Enfin, c'est pas un bug, c'est plus mon mèche qui est corrompu. On va tester, peut-être pour ça que ça marche pas. Non, ça marche. Et ben alors, qu'est-ce que tu me gonfles? Ok. Bon, mais au pire, on va pas friser. Ah, si, voilà. Bon, j'avais un problème sur mon mèche, en fait, je crois. C'était peut-être avec l'isolation, il devait pas kiffer. Bon. Voilà, comme ça, je peux venir. Putain. Allez, oui. Je peux dire. Tout ça, là. Putain. Tout ça, je ne vais pas y toucher, c'est comme les masques dans ZBrush. Et ensuite, maintenant, je peux prendre mon outil et en effet. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui m'a fait encore? J'ai l'impression que c'est pas. Hein? Ah, strength. Ok. Voilà. Ah, c'est juste moi qui connais, qui maîtrise pas trop là. Pas trop le truc. Maintenant, tout doucement, je vais pouvoir faire mon petit blend shape en sécurité. Vous voyez, tout ce qui est bleu, ça va pas être pris ou ça va être juste pris pour faire un falloff comme il faut. Encore une fois, je vais pas faire ça en mode parfait, comme si ça devait être animé ou quoi. Hein. C'est juste pour moi. Pour quand je vais faire les rendus, tout ça, que je ne vois pas les yeux ouverts. De toute façon, je vais pas les travailler les yeux. Donc au moins, le problème sera réglé.
Vous en servez ou pas de cet outil-là, des sculptes dans Maya? C'est vraiment cool. Hein. Ça sauve pas mal la vie pour faire plein de trucs.
Belle. Bon, je vais y arriver, hein. J'ai tout prêt, un petit peu testé avant de faire le live. Je savais que j'allais faire un soir. Et il y a tout qui plante. Enfin, tout qui plante, non. Putain, Marvelous, je le disais en texte, c'est impressionnant. C'est... À chaque fois que j'ouvre ce soft, il y a une nouvelle version avec des nouveaux trucs. Ils ont tout changé, quoi. Bon, j'y suis arrivé en fait, il fallait pas l'ajouter, il fallait l'open pour qu'il soit centré. Ok, alors je vais tout de suite sauvegarder parce que je sens que lui va me casser les couilles. T'es encore sur la 4. Non mais mec, là, celle-là vraiment ça vaut le coup. Il y a un truc que je... enfin, qui est vraiment génial pour nous, hein. Un nouvel outil, c'est pour ça vraiment que j'ai mis la dernière version. Je sais pas si tu vois ce que c'est le flatten, je vais m'en servir justement là. Et justement j'avais galéré, j'avais fait des tutos pour montrer comment faire ça avant que ça existe et c'était vraiment la merde. Et là, je vais le tester. C'est pas encore parfaitement au point, mais je pense que c'est vraiment, vraiment cool qu'il ait fait, en tout cas. En fait, tu peux vraiment dessiner ton pattern directement sur le truc, même. Et c'est génial parce que moi, j'ai toujours eu... chaque fois que je me sers de Marvelous, en fait, comme on n'a pas des patrons de ce qu'on va faire, vu qu'on n'est pas dans la haute couture, nous, on part... En fait, on part de l'inverse. On part d'un truc qu'on veut mettre en patron. Et là, c'est vraiment ça, en fait. On peut faire maintenant l'inverse au bout de la version 7. C'est-à-dire qu'on va dessiner sur le modèle, tu vois, par exemple. Et en plus, ici, ça colle vachement. Donc, j'ai dessiné ça. Et ça va me générer le patron à partir de ça. Enfin, je vais essayer. C'est la première fois que j'essaye en live, donc on va voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas de raison. Bon, elle, je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle, donc je vais l'appeler Girl. Bam, belle. Bam, bam, bam. Ouais, tu vois ce que c'est du coup, Clément, ou pas ça? Ce truc là. Au cas où je m'en sors pas, qu'il y a quelqu'un qui m'aide. On va pas compter sur les rien. Hein? Ça. Alors. Monsieur apprend encore la 3D. Putain! Ah putain, j'ai testé tout à l'heure un peu. Yo. Mais ça me fait un peu de la merde. Enfin, c'est galère, les raccourcis, je trouve qu'ils sont pas intuitifs, et du coup, tu... Voilà. En fait, dès que tu te déplaces, tu poses un point, et c'est super sûr. Je sens que je vais bien galérer. Ah putain, mais comment je vais faire? Pourquoi? Attends, je fais Alt. Alt. Clic droit. D'accord. En fait, quand je fais Alt, un clic droit, il pose le point. Alors, je veux juste reculer. Oh putain, ça va être chiant, ça. Bon, salut ceux qui arrivent. Mettez bien un petit hello que je vois un peu qui est là. Bon, vous êtes habitué. Du coup, je pense que le problème vient du fait que ces obeurs n'ont pas capté que tout le monde utilise la navigation de Maya. Ce que j'ai fait, oh, comme tout le monde, j'ai mis la navigation en Maya, mais je pense que je vais devoir le faire avec la navigation native qui doit être mieux adaptée à ça parce qu'ils n'ont pas dû capter, ça faisait chier tout le monde. Putain, je vais pas y arriver. Voilà, ce soir, voilà, ça m'énerve. Quand tout est prêt, là, j'avais... Ça devrait déjà être fini. Je galère depuis que j'ai commencé, là. Tintintin. Puis quand ça s'enchaîne comme ça... Alors, vieux contrôle. Putain, ça m'énerve. Les mecs, ils testent pas leur truc. Putain, c'est où ce truc, là? Ah, voilà, Maya. Alors, je vais me mettre en regular mouse, là. Alors, je sais même pas comment ça marche, la navigation dans... Ah ouais, du coup, il n'y a pas de halt. Eh ben si, il y a bien un clic droit pour tourner. Ah mais là, ça clique pas le point. D'accord. Bon, mais je vais faire en navigation... Oh putain, je galère. En navigation Marvelous. Ça commence bien. Allez, putain, fais pas chier. Putain, c'est pire que dans Photoshop. Alors, on va faire un truc, je vais le faire sans bouger. Alors.
vais commencer par je sais pas où. Bon, le truc de... On va commencer par, par la cuisse là. L'aile ou la cuisse? Bam. Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer de m'appliquer. Chose que je ne fais jamais. Oh putain, c'est mal barré. Oh putain. D'accord, donc faut pas vouloir être trop précis. Bon, c'est bien, ils l'ont mis, mais c'est pas. Ça n'a pas l'air top de ouf au point, mais après. Mais je pense en fait c'est juste pour faire un blocking off. Et après, faut venir cleaner son truc parce que pour l'instant ils l'ont implémenté. Alors là on va essayer de faire un truc sexy sur le cul. Sur l'arrière plutôt. Pas déconner non plus. Bon, je suis pas spécialiste. Bon, on va faire passer. Putain, je suis en train de faire un truc vachement sexy. Voilà. Et je vais essayer de me démerder pour avoir la symétrie, même si mon perso est pas symétrique parce que j'étais super intelligent. Je l'ai importé en pose, pas en T. Du coup, oh putain, la bite. Mais la bite. Ah putain. Bon, je réfléchis un coup avant de faire le truc pour rien. Si je le fais, il va pas être symétrique. Du coup, ça va me faire chier. Allez, t'as compris l'histoire, toi? Putain, en plus, je l'ai smooth, en plus. Ouais, replay symétrie. Non, en plus, c'est que je voulais la définition du truc. Je l'ai coupé, il faudrait que je garde, mais je peux pas. Donc, comment je vais faire? Il faudrait que je back smooth l'animation. Donc, que je back l'animation en cache. Et ouais, faire un cache. Oh putain, j'ai pas envie. J'ai la flemme. Merde, j'avais pas pensé à ça. Fuck. Eh bien, je vais faire les deux côtés, tant pis. Fuck la symétrie, tiens. J'ai pas envie de faire tout ça. Je suis un feignant. Ah, mais j'ai pas envie de recommencer. Là, le processus, il faut aller dans Maya. Il faut faire un cache de l'animation. Parce qu'après, il va falloir le conformer par rapport à la formanté. Il faut ensuite smoother le cache. Pour avoir un niveau de subdiv pas trop polygoné, il faut exporter le truc, le cache, le faire sur la pose en T, faire la symétrie, et ensuite simuler dans Marvelous pour que ça arrive jusqu'à la pose normale, en espérant que ça couille pas. Donc je préfère le faire à la main, directement, point barre. Il y a moins d'étapes, et je pense que ça va le faire par rapport au close, je vais m'en sortir. Bamos! Ah, Bamos, ça va faire quelque chose. Allez, c'est parti. On respire un coup. Et bien sûr, on va s'en sortir. On s'en sort toujours. Bien sûr, on s'en sort toujours. Qu'est-ce que tu crois? Ben voilà, on réussit à faire le tour. Ok, donc là au milieu, je ne mets rien. Là, il me faudrait à peu près la même chose. Puis je vais te dire si c'est pas la même chose. Ça ira. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Faut juste pas mettre la navigation en mode Maya User. Quoi. Bon, je pense que c'est le genre de truc qu'ils vont corriger plus tard. Bon, là, on va essayer de faire un truc symétrique sur l'arrière. Magnifique. Magnifique. Voilà, double clic pour terminer. Ouais, c'est bien. Donc là, j'ai un pattern. Le problème, c'est qu'il y a un seul morceau. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une couture ici. Que je n'ai pas du tout prévu. Putain, quel beat. Si, alors, je l'ai prévu là, mais je ne l'ai pas prévu là-haut. C'est pas grave, on va s'en sortir. On va partir de... Ah, l'autre, il est là-bas. Putain, il est en train de me faire un truc. Bam. Allez, ta gueule. On va partir de là. Belle, ça fait plaisir. Et on va monter jusqu'au creux de l'anche.
Bam! Je pose mon point. Ah, ça vaut un coup de putain, il y aurait eu ça avant, ça aurait été bien. Là, on va monter directos, vamos, là-haut, en gardant la dynamique. Double clic. Line create with line avatar tool. Putain, j'ai cru qu'il me plantait la gueule. J'ai pas compris ce qu'il m'avait dit. Ah! Si, j'ai compris. Je crois qu'on peut pas traverser en fait. Voilà. Ok, on va respecter la règle. Bon, je mets de la musique parce que là, je suis en train de commenter de la merde. Alors. Je reprendrai. Je switchais pas mal entre musique et audio parce que je dis n'importe quoi. Là. Thank you.
There was a village built of crumbling clay and rotting wood. And it squatted ugly under a broiling sun like a sick and mangy animal wanting to die. This village had a virus shared by its people. Germ of squalor. Of hopelessness. Of a loss of faith. We'll be right back.
jamais oublier qu'avec toi je suis capable de voir la fin du sablier. Thank you.
Thank you.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the words of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Yeah.
Belle. Putain. Ouais, bon, je me motive quand je peux. Bon, allez, c'est parti. Bon, je vois que vous êtes un peu arrivés là. Ça y est, vous êtes tous mangés. C'est la soirée. C'est que c'est pas dans la capitale. Alors, on va essayer de simuler ça de Marvelous. Donc, j'avais fait un premier essai. Ça, c'était pas folichon avec leur nouvel outil là qui fonctionne pas encore top. Du coup, j'ai fait à l'ancienne. Et on va quand même essayer de le simuler dans Marvelous. Pour avoir des petits. Putain, j'ai peur ce que je. Ah, des petits plis sympas, mais putain, chier. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est au niveau de la couture. Ici, en fait, on voit que c'est cousu, il y a des patterns. Et ça, du coup, je l'ai pas. Et si je sépare les mèches, on peut pas les lier après. Du coup, ils vont tomber séparément. Ah, ça va pas être facile, ça. Chier, putain. Tain, tain, tain. Bon, ici, ça devrait aller parce qu'il y a de la densité. Et puis, ça va flotter. Bon, là, si j'ai pas ça, tant pis, au pire, hein, je m'en fous, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ça aurait été cool. Je ne sais pas. Ah, j'ai peut-être une idée. Attends, je réfléchis un coup. Okay. On va tester un truc, en fait. Parce que j'ai pas envie de sculpter. Parce qu'il n'y a pas la densité. Quoique. J'ai envie que ce soit vraiment simulé, quoi. Marvelous, il fait bien les plis, tu montes un peu, tu contractes et ça fait le truc. Du coup, je me dis, faudrait ajouter la. Enfin, est-ce que je fais. Ah putain. Ouais, est-ce que je fais les coutures? En fait, là, vraiment, c'est un live où je fais ma RD. C'est des trucs. En fait, je fais des trucs que je sais pas faire. Pour apprendre à les faire. C'est un peu le but de la RD. Bon, par exemple, je me pose des questions. Là, c'est la deuxième méthode que je fais pour faire ça. Voilà. Ça a l'air. Jusque-là, ça a l'air de pas mal. Et là, je me pose des questions, par exemple, sur comment je vais gérer les coutures. Qu'est-ce que je peux faire? Je vois deux possibilités. Donc je pense que je vais tester une, si ça fonctionne très bien, tant mieux, sinon je fais la seconde. Ah, et puis j'ai pas prévu les coutures sur mon mèche. Ah, double. Double peine. Bon allez, celle-là je la fuck. Parce que si je fais les coutures après, je préfère faire l'offset. Parce qu'il va exploser. Wow. Mais j'en ferai qu'une là, tant pis, c'est bon. Après, l'idée c'est de faire un truc rapidement, là j'ai pas le temps de. En fait, j'essaie de faire vite aussi, j'ai pas trop de luxe et j'ai que 2 jours pour essayer de finir ça. Donc. Vois un peu le délire. Écoute, ça coûte pas cher, on va l'envoyer dans Marvelous, on va voir ce que ça donne et puis on avisera. On va essayer d'anticiper des choses dont on n'a pas. J'ai appelé ça comment? On va appeler ça latex. Hein, parce que je pensais que c'est du cuir et on m'a dit que c'était du latex, c'est vrai que c'est plus logique. Pam pam. Bon, on reste motivé. Allez, franchis, bam. On importe en add. OBJ. Yep. Bien sûr, je veux mon OBJ, je veux mon latex. Bam. Add. Load as add. Non, as garnement, à centimètre. Normalement, c'est bon. Belle, c'est bon. Plus j'ai la couleur. Ah putain, j'en étais sûr qu'il y avait ce truc là. Ah, parce que je l'ai hidé. Putain. Alors, on recommence. Excusez-moi, je jure un peu. Alors là, comment je fais pour faire ça? Alors, il faudrait que je fasse ça. Boum. Et là, je dois faire un display show selected. Je sors de là-dedans. Pouah. Trop fort, le mec. Et ouais, il y a les petites manches là. Remarque, c'est pas mal. Ça fait sexy, mais c'est pas le but. On va garder. On va garder le truc. On va suivre le délire. Bon, try again. Historique. Boum. Export selected. Au même endroit. Boum. Du coup, je suis passé là, je sais plus qui c'est qui me demandait comment on fait pour importer l'export, je sais pas quoi, dans Marvelous. Ah bah c'est toi, mec, Adiat, là. Adritaz. Bah voilà, tu vois, import, boum. OBJ, non, OBJ tout garnement. Import, add, OBJ tout garnement. Latex, add, pas open, sinon je le remplace. On est en centimètres. Ok. Boum. Putain. Attends, j'ai fait une connerie là. Oh. Ah. Qu'est-ce que ça? Attends, il y a trop de monde ici aussi. Ok. Toi là, tu commences un peu à me gonfler. Si je fais ça. Show all. Ah ouais, putain, il y a encore autre chose. Ça sort ça.
Putain, je voulais pas faire un show hall, c'est chiant. On peut faire un retour arrière? Quoi? Le show hall, c'est pas compris dans le contrat. Non. Bon, c'est pas grave. Putain. Allez, on garde la pêche. Bam. Save. Et du coup, on va exporter ça. Je clinerai ma scène après. J'ai envie de voir dans Marvelous. Putain, j'ai tellement de trucs, je sais même plus où cliquer. Hop, bam, file, import, add to garnement. Latex. Bam, bam, bam. Belle petite, tu fais plaisir. Ok. Bon. Là, on a notre latex. Il est un peu trop noir, on voit plus rien. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, il m'a importé les dents avec. Oh là là, ça c'est l'OBJ, il a dû me supporter. Non, mais c'est pas le bon mesh. Moi, c'est celui-là que je veux. Et lui, il a même pas de matériel. Putain, je comprends rien comment ça fonctionne. Si je fais ça, voilà. Color. Alors, moi, je veux une couleur un peu foncée, mais qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et on va mettre de la spéculaire. Où spéculaire? Voilà. On va faire du latex dans Marvelous. Bien sûr. C'est chaud. C'est quoi ça? Ça c'est la roughness. Bam! C'est pas beau ça. Bien. Allez, CTRL S. Et ben là, il n'y a plus qu'à simuler. Donc en fait, import OBJ est simulé. Enfin, il n'y a plus qu'à. C'est pas sûr que ça marche encore. En fait, je me demande pourquoi je simule. Parce que là, je vais essayer de simuler pour avoir des plis que je ne vais pas avoir. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, bon d'accord. J'ai pas gagné grand chose. En fait, je me demande ce que je suis en train de faire. Ok. Allez, un grain d'espoir. Alors, je manque un peu de densité. Là, j'aimerais bien que ça se... Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Là, il aime pas. Alors, il faudrait que je... Ouh, punaise. Il se passe des choses. Non, en fait, ce que je voulais faire, c'était... J'étais, je sais pas, un petit peu casser le côté juste un offset, quoi. J'ai pas compris sim tapping. Ah ouais, mettre des pins là. Ouais, ouais, j'ai la flemme. Non, mais c'est pas grave, attends, ça s'excite tout seul. Voilà, ouais. En fait, ce que je voulais, c'était juste faire un petit truc comme ça et casser un peu le côté offset. Et normalement, ça devrait ou pas. Non, en fait, ça me fait rien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je double la définition et que je mette plus de matière à l'offset. Parce que là, en fait, il n'y a pas assez de marge. Pour me faire ce que je veux, même ici, j'ai pas les plis, j'ai rien. Donc ça me sert pas à grand chose. En plus, il y a l'offset. Et non, j'ai pas de pattern. C'est le problème quand on fait un import. C'est pour ça qu'au début, j'avais fait la solution de le faire directement avec des patterns. Et oui, c'est ça, c'est l'inconvénient forcément de cette technique. Sinon, ça serait magique. Bon, alors. Un film d'anime? Oh, bien sûr, oui. Ça me prendrait... Déjà que j'ai du mal à fuse, faire une image, ça me prend 3 ans. Un film d'anime. Pff, mec. Non, non. Puis après, ça dépend, ça s'appelle pas le film d'anime, hein. C'est les trucs en mode cartoon. Non. C'est pas mon délire. Non, j'aimerais pas du tout, non. Bon. Ça se passe pas comme prévu. Mais bon, c'est normal, ça marche jamais premier coup. Bon. Alors, première chose, il faut doubler la densité. Il faut inflate un peu. Et il me faudrait marquer les coutures. Non mais une à deux minutes de film, ça peut aller jusqu'à 5 ans de taf, tu veux dire. Une année, c'est le temps que je mets pour faire une image. Imagine le truc. Bon, là, c'est pas mal, ça fait... Ouais, non, c'est pas mal. Non, c'est... Ok. Bon, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Bam. Et ben, on recommence, encore. Oh là là. Allez. Donc, on a vu ce qui allait pas. Donc le truc,
je repars de cette niveau. Bon, on a vu ce qui allait pas. On est content. Ouais, ça c'est pas terrible là, la petite couture là, comme ça. Mais bon, j'ai la flemme de le corriger ça. Oh putain, en plus c'est bien dégueulasse. Oh, en plus ça, ça. Ah ouais, d'accord, c'est pas ça, ça interpénètre. Du coup, évidemment, il kiffe pas l'autre. Du coup, ce que je vais faire. Ouais, j'ai compris. On va partir. On va le ranger. On va vraiment lui faire un truc. Un peu hara, mais. Déjà, je vais corriger ça comme ça. Et ben on n'est pas rendu. Je pensais que ce serait plus rapide. Et bon, c'est jamais. C'est ni simple ni rapide. Et bon, ça va. Dans tous les cas, je devrais y arriver. Je sais pas comment, mais. Voilà. Là, je vais slider pour arranger ça. Et je vais. Ouais, niquer ça, là. Du coup, je suis parti d'où là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Donc là, on est bon. Et... Ah oui, d'accord. Donc j'ai dit en gros. Voilà, ça on supprime. Hop. Et du coup, ça faudra le supprimer, je sais pas comment. Ça a pas l'air de louper la mort. Oh putain de merde. Ouais, si, alors je vais faire ça. Je vais faire d'ici à de là. Belle. Boum, comme ça je peux prendre ça. Putain. Et ouais, mais du coup, voilà. Maintenant, comme ça, ça passera mieux dans Marvelous. Tranquille, il faut cleaner, il faut faire ça propre. Mais là, du coup, c'est, voilà, c'est la seconde partie par rapport à ce que je faisais ce matin où j'ai bloqué tous les trucs. Voilà, c'est sûr que c'est mieux comme ça, c'est plus propre. Bon, après, est-ce qu'il se voit pas, je vais pas y passer la vie. L'arrière, là, tu vas voir, mon gars. Rien comprendre. On va éviter un peu les interpénétrations. Surtout à cet endroit-là. Bam, là je fais vite, je mets un petit coup de relax pour relaxer tout le monde. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, pareil, après à cette hauteur là, on va partir. Du coup, d'ici, on va monter comme ça. Putain, merde, qu'est-ce que je fais là? Putain, où je vais comme ça? Je sais pas où je vais. Je crois que. Bon, c'est pas la meilleure direction, mais là, pareil, je vais essayer d'aller vite un peu, ça commence à me saouler ça. Passer la soirée à faire du latex là. Bon, les petits, tu vas où toi? Dis-moi où tu vas. Ah, tu vas juste là? On va s'arrêter là alors. Et là, bah écoute, regarde. Pfft. Bam. Si vous avez des questions ou quoi, allez-y, parce que là je fais des onomatopées, je sais pas quoi dire. Ok, pareil, un petit coup de relax. Voilà, comme ça, il y aura moins d'interpénétration et ça fera pas des petits sauts.
Marvelous, c'est même plus propre d'ailleurs au niveau logique. Bon, après, je me demande même si Marvelous ça va être utile, mais bon, on va quand même le faire. Pour des micro-plis, je vais faire une densité de fou. Des psychorigides vont tomber par terre. Ça me fera plaisir. Alors, ici. Ah ouais, je sais ce que je vais faire là. Je sais comment je vais faire ça. Parce que j'ai la flemme de faire tout le tour à haute densité, une couture au milieu qui soit propre. Il y a une petite couture là. Ouais. Et je sais comment on va faire. On va faire avec les courbes. On va faire une courbe. Putain, vous êtes 40, vous me foutez la pression là. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Hein. Ok. Comme ça. Alors les courbes, si vous connaissez pas. La projection de courbe, c'est pas mal dans ce cas-là, par exemple. Alors, je vais prendre une bézier. Waouh, attends, parce que là, ça va pas le faire comme ça. Déjà. Ouah ! Putain ! Pas tout ce monde là, barrez-vous ! Alors, on va se mettre comme ceci. Putain, ma courbe en plus ça va me faire chier là. Comment je vais faire ça? Ah, c'est chiant derrière pour ça. Alors bon, c'est pas grave, on va partir comme ça. Et on va faire ça ici. Boum. Du coup, vous voyez, je vais faire ma courbe et je vais la projeter. Vous l'avez compris, hop, à travers mon modèle. Et grâce au nodal où il n'y a pas besoin d'aller dans Houdini ou je sais pas quoi, on pourra même avoir une interactivité, machin truc, et tout le monde sera content. Alors, est-ce que je peux la projeter? Je sais pas tous les jours, je sais pas non plus comment il va réagir, mais normalement ça marche pas trop mal. Mais bon, là je pense que ça va pas fonctionner comme ça. Il faudrait plutôt que je fasse rien comme ça. Let's try this, baby. Boum, ici. On va l'enrober comme ça, et bam! On projette avec l'angle de la caméra par ici. De toute façon, c'est pas obligé que ce soit précis, il n'y a rien qui est symétrique ou quoi. Je fais ça en mode Wizix, évidemment, parce que c'est le résultat qui m'importe. Mais ça devrait le faire. Boum, allez, on va tenter. Il y a encore de la merde là. Du coup, comment ça marche? C'est où ce truc? Ah, je crois que c'est là, non? Ah, je suis dans les curves. Oh putain, je sais plus où c'est. Alors. Ou alors il faut faire, ouais, faire une projection et après il faut faire une coupure. Courbe. Alors. Align body to open fillet insert. Non. Bon, je vais le trouver. Hein. Par contre, je m'en sers pas tous les jours. Donc. Project curve on surface. Ça m'a l'air d'être ça. Normalement, une surface, c'est pas un mesh polygonal, mais ça doit marcher quand même. Non, ça marche pas. Sculpt booléen. Putain. Ouais, s'il y en a qui se rappellent où c'est, je suis preneur. Et ouais, là c'est sur les surfaces. Ça. Je pense pas que ce soit ça. Fuck. Non, ça va être forcément. Ah, peut-être Edit Mesh. Ah, mais voilà, c'est là. C'était dans Edit Mesh. C'est vrai qu'il y a trois trucs pour les mèches. Et là, voilà. Project et ensuite Split. Current View, bien sûr. Automatique, je sais pas quoi. Project to Edge Only. Bin avec Chris. Bin. Je vois pas du tout de ce que tu parles, mec. Avec Chris. Bin. Je suis pas sûr que tu vas avoir le même rendu de tissu que tu l'ayant fait sur ma ville. Le rendu de tissu que en l'ayant fait sur ma ville. Bah, je sais pas. Mais là, c'est le deuxième test que je fais. Si ça fonctionne pas, ben je le ferai une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois. C'est comme ça qu'on fait l'RD. Hein. Dr. Wayne, j'ai fait six fois la pluie, de façon six fois différente, faut tester. C'est ça, c'est, en fait le principe c'est un projet, c'est pour ça que j'ai mis Character Study, c'est faut tester les trucs. J'ai jamais fait une combi en latex, donc voilà, faut tester. Et puis si le résultat il me convient pas, ben je trouve une autre solution, je crois que ça me convient. Ouais, voilà, ça marche super bien ce truc. Par contre, le crisp plus, je vois pas pourquoi faire, mec. Je
j'ai pas dû comprendre. Ah, par contre, ça marche super bien, ça, il me fait le tour comme ça, il boucle. Ça déboîte. Et on garde la dynamique ici. La dynamique, là, l'historique. Ah, ça marche super bien. Content. Bon, en même temps, j'ai pas fini. En général, quand ça marche bien comme ça, faut pas crier victoire trop tôt. Et là, je fais split. Split, un détache. Non. Split. Boum. Et il m'a fait... Ah. Ouais, j'ai parlé trop tôt. Ah non, bah, c'est pas celui-là. Il faut prendre celui-là. Split. Oh putain. Voilà. J'aurais dû fermer ma gueule. Can't perform poly on selection. Merde. Alors, normalement, ça marche bien. J'ai pas compris. On va recommencer. Je vais déléter l'historique. Après, je fais les trucs aussi. Normalement, il y a des étapes à respecter, je fais n'importe quoi. Split Wish Projection Curve. Non, c'est normal. Ok, donc on va projeter d'abord. Ok. Et là. Can't perform poly split on selection. Putain, mais pourquoi tu can't? Fais pas chier, quoi. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai zappé? Prendre tout ça là, boom split. J'aurais dû fermer ma gueule. Qu'est-ce qu'il a ce mèche? J'aime ce que Maya il se dit peut pas, mais il te dit pas pourquoi. Error line, projector flies just but curve not connect to mesh through. Ah si, il te dit pourquoi. Alors. Flag use, ok, but la courbe n'est pas connectée au mesh. J'aurais dû le faire directement dans Marvelous, ça aurait été plus simple. Parce qu'après là, j'ai pas réussi à regarder la curve pour faire ma couture. Donc c'est pas une bonne idée. Parce qu'après il va me couper ça n'importe comment. Et je pourrais pas faire ce que je veux. Bon, dans tous les cas, c'est pas une bonne idée ça. Ok. Et bien je vais pas faire ça. Je vais juste faire les deux qui sont simples. Sinon on va jamais s'en sortir. Donc, je vais en faire juste une ici. Tant pis. Sinon, je vais jamais finir ce truc. Je vais juste en faire une là, basta. Je vais tester. Parce qu'après, il faut que je fasse un offset. Donc, je vais d'abord faire un offset plus grand. Ensuite, je viens faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais en fait c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est tout le temps galérant. Hein. Quand ça va bien, c'est vraiment quand tu maîtrises le truc. Mais... C'est ça la 3D les gars. Non mais je vais pas me prendre la tête, je me prends un peu trop la tête là des fois aussi. Ok, et du coup ça je vais faire comme... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je vais faire une couture avec la topo, elle est pas trop dégueu. Un petit peu dégueu quand même. Ah, elle est bien. Bah voilà, pourquoi je me fais chier. Le mec essaie de projeter une courbe, elle est déjà là. Hop, on va faire une petite couture ici. Voilà. Tout le monde est content. Et là, bah, on va faire... une extrude, écoute. Je vais même pas l'autre côté parce que j'ai pas envie. Et là, alors là, il va falloir être précis.
et si je smooth ça, ça me fait de la merde. Mon dieu. C'est pas vraiment ce que je voulais. Putain, fuck. Fuck l'Amérique. Putain, je suis en train de faire n'importe quoi. Parce qu'il est tard là. Ouais. Ça y est, je pars en couille. Je sais pas où on en pense à quoi. C'est peut-être bizarre. Putain. De toute façon, ce soir, j'arrive à rien faire alors. Putain. Quel bordel. Non, mais peut-être parce qu'il faut du naturel. Peut-être un petit peu de... Ouais, mais... Ben oui, mais peut-être. Ouais, c'est... on se dit toujours que c'est pas compliqué, mais... sortir, bien sûr on va s'en sortir. Y a pas un pinch par là? Pinch, boum. C'est pas le pinch du siècle, on a monté un peu, boum. Bon là, si j'arrive pas, je vais passer au lighting un peu pour faire autre chose. Faut pas insister, je le ferai demain. Avec une tête reposée et de nouvelles idées plein la tête. Parce que voilà. Du coup, ça c'est bon. On va tester un coup, mais moi j'y crois pas trop là. Et sinon, bah, je vais passer au lighting un petit peu pour rentrer autre chose aussi. Vous allez déprimer autant que moi sinon. Alors là on a dit double dose, ouais, ça c'est corrigé en bas, ok, j'ai fait un offset, ok. Non, c'est pas mal. Après ouais, faut pas trop non plus parce que ça va pas aller sinon. Ok, allez. Ok, allez. Historique, bam, oh putain, c'est le bordel. Ça, je vais le smooth un coup. Là par contre, il va faire la gueule après l'autre. Quoique non, si je fais un smooth, mèche smooth, voilà, là on est bien. Ah, je sais ce que je vais faire, et je vais faire un triangulate, il préfère l'autre quand c'est triangulaire. Edit mesh triangulate, voilà, là, il y aura bien matière à pas me casser les murs là. Ah ouais, c'est pour ça que ça faisait des conneries dans le cul là. Merde. Bon après on le voit pas, hein. Je le corrigerai plus tard. Ah il fait chier. Putain, pourquoi j'ai pas eu ça? Allez. Quand tu crois que c'est fini là encore. Putain, en plus là je peux rien faire là. Là je suis fini. Ah si. Ah mais ouais, c'est parce que j'ai fait les offsets, je me disais c'est bizarre qu'ils soient aussi rentre dedans là. Putain, c'est super sexy ce que je suis en train de faire. Je crois que mon offset il est un peu gros quand même parce que là j'ai l'impression que... Ça c'est bien rentré dedans quoi. Ouais, dans tous les cas, j'ai fait n'importe quoi. Putain, même ma couture, elle est pourrie, quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Oh putain, non, mais là, c'était n'importe quoi ce soir. Voilà, ça, c'est à cause de gens qui me forcent à faire des lives.
Je fais n'importe quoi, n'est-ce pas? Ouais, vas-y, fais un live, machin. Non, mais j'ai rien à montrer, je sais pas quoi faire. Mais si. Après, voilà, ça finit comme ça. Putain. Il y a toujours un petit Arthur, un petit FIFAP qui pointe sa gueule juste au bon moment. Bam, ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, mesh, boom, smooth, bam, pour que ce soit encore plus dégueulasse, bam, triangulette, bam. Alors, je pense pas que ça marche, on va quand même essayer. Pas passer la soirée là-dessus pour rien. File, export election. Latex. Latex. Marvelous. Toi, tu dégages. File, import, add, garnement. Latex add. Est-ce que j'ai gardé ça? Ouais. Bon, non, moi j'ai un offset. Ouais, bien costaud. Alors, je vais mettre. Je sais pas où c'est, il y a un truc double face, c'est où? On s'en fout. Et si je simulate. Si je simulate. Non, ça va, il galère pas trop. Un petit peu. Bon, je vais pas arriver à faire ce que je veux. Bon, c'est pas... Ouais, quoi que si, ça peut. En fait, je vous dis juste. je me fais chier à tout ça juste pour avoir ce genre de petit pli comme ça qui peut être sympa. Là. Oui, si ça pouvait tenir hein, des petits plis comme ça. Je pense qu'il faudrait que je mette plus de friction hein, sur les gars. Ouais, ça marche pas mal. Ah putain là par contre c'est chiant que ça soit pas joli la courbe. Oh putain. Putain tu le vois que Wizix il... T'auras une combi sexy en vieux pyjama par passé là. Putain, qu'est-ce que je suis bon. Bon. Bon, mais j'essaierai autre chose demain tranquille. Bon, on va tester le rendu. Pourquoi tu me dis te fais pas du mal mec? Par rapport à quoi? Allez, reviens à ta place. Voilà. On va faire un peu de lighting, mais je pense que ça va mal finir aussi, vu que tout ce que j'ai fait ce soir n'a pas fonctionné. Pam, 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 pam. Bon, ça fait des plis. C'est pas le genre de plis que j'aurais voulu. C'est un poil grossier. Putain, en plus là, ouais, non, c'est pas bon ça. Je les ferai en sculpte. Je voulais pas le faire en sculpte, mais. Fuck, fuck, fuck. Putain, je suis en train de tout détruire. Allez, va. J'ai compris.
ça m'a saoulé. Putain, merde. Bon. Ça, on n'a plus besoin, on les cache. Oh putain. Ouais, je crois que je vais arrêter là parce que il se passe des choses bizarres. Il se passe des choses très bizarres. Si je supprime ça, ok. Si je supprime ça, ok. Oh putain, c'est quoi toutes les lumières? Bon, ça, elles sont pas bonnes. Ok. Bon, ben, c'était pas, hein. C'était pas évident. Mais bon, c'est parti du délire. Je vais y arriver. À force de chercher, de réessayer, je vais y arriver. C'est rendu. On va voir ce que ça donne. Alors. Qu'est-ce que ce bordel? Qu'est-ce qu'il me dit de Lambert? C'est pas Lambert. Hop, un truc. Allez! Bon, c'est vrai que j'ai commencé ça hier sur un coup de tête, donc ça prend un peu de temps encore, mais bon, ça. À part ce close là qui va me faire chier, mais je vais partir sur un truc plus simple. Je pense que je me suis un peu égaré. Je pense que là j'ai une bonne base. J'ai retravaillé ça à la main, je vais le faire dans Maya directement avec du sculpte et des petites finitions. De toute façon, pour 3 plis de merde, je me casse les. Je me prends la tête pour rien. Alors, bon, ça on va pas shader ça. Je vais un petit peu essayer d'égaler mon skin de base là, qui correspond pas vraiment à celui de la fille, on le voit. Il faut un truc un peu plus. Un peu plus blanc quoi. Bon, lighting, c'est le lighting qu'on a mis en place ce matin rapidement, faudra l'ajuster aussi, mais en tout cas il est plutôt placé. On voit ici il y a des reflets là, ils sont là, les reflets sont quasiment tous présents au bon endroit déjà, donc j'ai à peu près, je pense, réussi à retrouver les endroits. Ça marche plutôt pas mal, j'ai pris le temps aussi de refaire par rapport à ce matin, du coup la position des mains, faudra la réajuster un petit peu, mais elle est déjà pas mal bloquée. Ça correspond un peu à ça. Tiens, bah d'ailleurs je vais. Allez, c'est parti. Je vais même tout de suite commencer par les ongles. Ok. Ou pas, parce que ça, je sens que ça va pas être simple. Ok, ce bordel. Ah ouais, c'est le truc est mergé avec le dos.
D'accord. Ok, non, il n'y a pas de souci. Bon, je ferai ça plus tard. Le mec a pris peur. Ah mince, ça aurait été bien, mais... est-ce que ça fonctionne? Putain, vraiment qui fonctionne ce soir. Alors, sélection contrainte. Par shell. Non. Par angle. Bon, après, je sais pas comment ça marche le truc. Non, ça va pas marcher non plus. Bon, j'ai compris, allez, va te faire foutre. Je le ferai avec les UV tranquillement plus tard. Bon, mais ça marche pas. Bon, mais passons à... passons à la peau de la nana, mais je pense que ça va pas marcher non plus. Bon, écoutez, là, je vais m'arrêter là parce que je sens que ça va pas fonctionner. En plus, je suis en train de ramer sur mon PC là. Et il me faut les deux écrans. Mais bon, voilà, en tout cas, où j'en suis. Là, je vais la rendre un peu plus blanche, essayer d'ajuster mes maps, etc. Mais c'est pas évident à faire en live, ce... c'est pas évident de faire en live des trucs comme ça. Je veux faire vite, je veux faire de l'ARD, je veux faire du rendu, plein de choses. C'est pas vraiment évident. Mais bon, vous avez eu un bon aperçu, en tout cas. Depuis ce matin, on est quand même arrivé à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fonctionne bien. En tout cas, ça va dans la bonne direction, je pense. Ok. Juste une question. Avant que je vous quitte là, du coup, j'ai besoin de votre avis sur le close là. Bon, j'ai un petit peu rangé les traits, etc. Au niveau de la poitrine, est-ce que je la fais vraiment comme sur la photo? Est-ce que ça fait un petit peu bizarre qu'elle soit pas trop aplatie? Peut-être qu'elle... là, déjà, je l'ai réduit par rapport à ce matin qui était encore plus volumineuse. Ça faisait vraiment trop gros. Est-ce que là, je la réduis encore davantage? Ça me ferait chier, mais bon. Genre un peu plus un truc vraiment plus... plus comme sur la photo, quoi. Ouais, je pense que ça gêne un peu. Alors, réduire, ok. Mais est-ce que carrément aller bah essayer de retrouver le même truc que la photo? Mais je pense que je vais faire ça parce que mon délire c'est de garder le feeling. Donc. Mais je pense que ouais, du coup je vais faire ça. Ok. Ouais, ça rend mieux sur la photo. Bref, ouais, faut que je garde mon idée de garder le feeling de l'image. Ah ouais, non mais t'as raison. Ça, s'il y a toujours des moments où on part un peu, on oublie un peu le truc, mais vous avez raison, de toute façon c'est sûr qu'il faut que... faut que je garde le feeling de la photo, ok. Bon, allez, c'est pas grave, ce soir j'ai voulu faire quelque chose. Bon, au moins j'ai ça déjà. J'ai la base de mon close. Allez, c'est grave, je suis content. Ok, bon ben merci en tout merci en tout cas à tous ceux qui sont passés ce soir. Ouais, bon, j'essaie de faire quelque chose, mais bon. Je vous montrerai plutôt des whips sur Discord tranquillement et un live à la fin pour montrer un petit peu comment je m'en suis sorti. Et voilà. Allez, ben, je vous dis bonne soirée et sans doute à l'an prochain. Oui, n'hésitez pas vraiment à venir sur le Discord. À échanger. Je vous mets le lien tout de suite là. C'est vraiment sympa pour montrer des whips, juste des whips, des images, ça suffit. Des fois, pas besoin de faire un live ou quoi. Salut Clément, mec. Bah là, je vais quitter en fait. Mais ouais, non, ça a bien avancé. En fait, depuis ce matin, j'ai été presque déjà là, mais j'ai fait ouais, j'avance doucement. Mais... copier, si je fais ça, voilà, inscrivez-vous ceux qui l'ont pas fait encore, c'est un salon, on est assez nombreux, et du coup je balancerai des whips moi là-dessus,
Vous pouvez poser des questions, vous pouvez échanger entre vous, des trucs, ça, c'est plutôt cool. Il y a un petit pop-up comme ça qui apparaît sur le côté, restez en ligne. Et... Voilà. Allez, ciao à tous.